Et bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Ça va, voilà. Hop. Parle pour voir vite fait, je crois que je t'avais pas mis encore bon au niveau son. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a encore quelques Bah, si petits c'est mieux. parasites. Oui, Je sais c'est pas un peu. s'il y a quelqu'un pour dire. Enfin, moi je t'entends, normalement je t'ai bien monté. Après, il y a des petits parasites, je t'avouerai, mais on peut s'en sortir, je pense encore. Ok. Hop. Donc. Pif paf paf, voilà. Donc ce soir, bon en tout cas moi c'est toujours l'équilibrage pour ma part, Yes. le fameux. Alors du coup, pour faire un rapide petit compte rendu vite fait de ce qu'on a fait la dernière fois, c'est qu'on parlait un peu du template d'équilibrage, de comment un autre système pour le repenser vu que il y avait des flows et tout ça. On est venu avec un système qui va pas être vraiment visible pour les joueurs en question, en tout cas pour les stats, parce que c'est en fait c'est les stats qui vont poser problème vraiment, les points de vie, les points de dégâts et tout ça. Donc du coup on est reparti à la base du JDR, très très certainement, enfin JDR slash en fait tous les RPG qui existent. Au niveau de tout ce qui est points de vie et points de dégâts, qu'est-ce qui justifie et tout ça. Enfin du moment qu'il y a des classes, de toute façon il y a toujours un système d'équilibrage à faire. Que ce soit dans tous les jeux papier ou quoi, y a tout. Enfin, de toute façon, du moment qu'il y a un combat ou quoi, c'est pour ce genre de cas en tout cas. Donc, on était parti sur des principes vraiment de JDR, donc c'est-à-dire la base, c'est-à-dire une base commune pour certains persos. On peut aussi le remplacer par race, parce qu'on s'est dit que pourquoi pas utiliser les races des persos, qu'ils soient elfes, machin ou quoi, pour aussi se baser sur leur base ethnique. Pour peut-être rajouter un peu plus de challenge dans la création de persos ou rendre certains persos plus intéressants, malgré qu'ils ont peut-être la même classe qu'un autre. Et pour éviter peut-être les doublons aussi au niveau des stats. Parce que du coup, bah, ça veut dire qu'en fait on se cantonne à seulement un type de gameplay pour une certaine classe et tout, et ça c'est un peu chiant. Après on a aussi la classe qui rentre en jeu aussi. Donc évidemment, hein, si j'ai un voleur va pas avoir autant de points de vie que. Qu'un autre perso qui est plus destiné, on va dire, à tanker ou qui est pas censé réellement se prendre des coups. Et après, évidemment, on a les armes slash armure. Hein, donc c'est-à-dire les petits bonus qu'on va leur ajouter histoire de pimenter un peu le tout. Voilà. Donc du coup, je suis venu avec l'explication de la dernière fois. Donc j'ai gardé hein, tout en état, comme ça le stream pourra regarder par la VOD ou quoi. Ce qu'on a fait, donc on va voir ça tout de suite. Non, c'est pas le bon, c'est pas le bon non plus. Et j'ai préparé en plus mes swaps. Est-ce que tu veux que je te partage mon écran, Hulot? Non, Directement? je stream en parallèle, c'est bon. D'accord. Alors, donc, la dernière fois, c'est ce qu'on avait écrit vite fait sur le template d'équilibrage. Hein. Donc, on avait fait un petit exemple, machin et tout ça. Hein. Ça, c'était écrit directement dans les. En stream. D'accord? Donc je vais peut-être augmenter un petit peu plus pour ceux qui sont peut-être sur mobile ou sur petit ordi. Normalement ça devrait le faire. Voilà. Donc on était parti là-dessus. Alors, moi je suis arrivé en fait avec la règle. Du coup ça va drastiquement, je te le signale tout de suite, hein, ça va drastiquement augmenter les points de vie, les points de dégâts de certains persos. Hein, on va plus. Je pense qu'on va vraiment s'avoisiner vers le. Peut-être jusqu'à 35, 36 PV, tu vois, pour le max. Donc c'est un peu ça. Donc du coup, je suis arrivé avec cette règle-là. C'est que, en gros, tu prends le héros qui est censé avoir le moins de points de vie de tout jeu, et celui qui est censé en avoir le plus. D'accord? Celui qui a. En fait, celui qui en a le plus doit avoir au moins un peu plus, genre 1 ou 2 points, hein, du double. Des points de vie du perso qui a les points de vie les plus bas. Donc après, du coup, tu as tout ce qu'il y a entre les deux qui donne, on va dire, une différence au niveau des points de vie. D'accord? Donc imaginons que, si on reprend mon exemple, bah imaginons que 17 points de vie, c'est le minimum, bah on va dire, sur l'héros qui aura le moins de points de vie de tout jeu. Il faut au moins que mon héros qui ait le plus de points de vie, il ait 34, mais... Dans l'idée, il devrait plus avoir 37 PV. Donc, c'est-à-dire qu'entre les deux, je vais devoir travailler là-dessus sur les points de vie. D'accord? Est-ce que c'est un peu clair ou pas, tout ça? Oui? À peu près, ouais. D'accord. Au niveau des dégâts,
On va appliquer à peu près la même règle dans le template des équilibrages, mais un peu plus en raccord quand même, histoire que ce soit moins casse-gueule. Donc par exemple, on va pas prendre cette fois-ci celui qui a le plus grand point de vie et celui qui a le plus petit. On pourrait faire ça, hein, ce serait plus simple peut-être pour certains. Mais au-delà de ça, il faut aussi savoir que vu qu'on a aussi des items dans le jeu et qu'on a tout ça, qui vont aussi booster autant que les points de vie ou les machins, mais bon, vu le gameplay qu'on a sur le terrain, en fait, il y aura beaucoup plus de boost de dégâts et tout ça, avec tous les spells qui vont vraiment booster les dégâts que les autres héros vont faire pour avoir une espèce de synergie, on va dire. Du coup, il faut que je prenne en fait le 17, donc c'est-à-dire le plus petit de tous les héros là, d'accord? Et du coup, le 17, je vais le diviser par 2. Donc ça veut dire que là, par exemple, le 17. Et je vais toujours arrondir. Hein, faut pas. Et. Inférieur, du coup. Ouais, inférieur. Voilà. Donc du coup, je suis à. Mince, donc 8. Donc si jamais c'était supérieur, donc 7. D'accord? 7 serait la valeur qu'il faut pas trop que je dépasse. Parce que pour la. Non, bah non, 8, je suis con. Pardon. Les maths, yes. On voit que c'est pas moi qui ai le dev entre nous deux. Hein. Mais du coup, 8. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'idée, vu que c'est aussi un joueur qui peut aussi se présenter sur des expériences PVP, si jamais t'as le héros le plus faible et que t'as aucun skill, enfin aucun skill, non, aucun item pour booster ses points de vie ou pour le protéger, bah, il faut pas qu'il meure non plus en deux coups, tu vois. Enfin, maximum, il faudrait pas qu'il meure non plus en un coup. Là, du coup, 17, ce serait 8, parce que du coup, 8 et 8, 16, donc du coup, il resterait au moins un point de vie. Donc du coup, il lui restera encore un troisième tour, dans l'idéal, si jamais il était en AV1. Sachant qu'on a des héros qui vont pouvoir, on va dire, prendre l'aggro, ou qui vont défendre. Tu auras aussi des skills aussi qui empêcheront ce héros d'être ciblé, et tout ça. Donc, voilà. Ça, dans l'idée. Ce serait, on va dire, il faut être très proche du 8. Pas le dépasser. Enfin, si, on peut le dépasser un peu. Mais il faut pas non plus que ça aille jusqu'à, on va dire, 20. Ça, c'est le truc qu'il faut pas. Donc, le maximum qu'on peut essayer d'espérer, en brut, hein, je parle sans équipement, sans les spells qui vont avec ou quoi, hein, on va avoir 14. Voilà, ce serait ça la règle d'équilibrage pour les stats. En gros. 14, pourquoi? Parce que du coup, c'est. En fait, c'est par rapport aussi au maximum. En fait, tu divises par 2 et t'enlèves toujours 1. Et ça, c'est vraiment pour les mecs, en gros, qui auront des gros dégâts. Par contre, ils n'auront pas du tout de PV. Hein. Enfin, ils n'auront pas du tout de PV. Disons qu'ils seront, par exemple, à 17 et 14. Ça peut être d'ailleurs les stats du mec qui a le plus bas de tous les PV. Parce que du coup, il compense avec une énorme point de dégâts brut. Mais sachant qu'on a toujours un monde à naviguer entre les deux. Hein. Est-ce que ton max de PV c'est 37, c'est ça? Ouais, 37. Bon, j'ai pris un exemple. Mais D'accord. divisé par 2, du coup, ça fait 18. Oui, ça fait 18. Bon, après, il y a aussi, parce qu'il faut pas non plus que ça one shot le héros qui aurait peut-être les PV le plus faible. Mais ça serait le système, Okay. si tu veux. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que là, j'ai schématisé. Mais en gros, on va exercer, on va dire, cette règle-là, mais avec le système qu'on avait vu la dernière fois, pour la simple et bonne raison, c'est qu'avec ce système-là, on peut contrôler, en fait, la raison des. En fait, ne pas attribuer aléatoirement des PV. Et se dire, oh merde, tiens, j'ai rien entre les deux, du coup, je vais créer des persos avec obligatoirement seulement entre les deux trucs, là. Ça, en fait, si tu veux, c'est un peu les stat warning. C'est-à-dire que si jamais c'est en dessous de 17, ça veut dire qu'il y a un truc qui a pas marché, c'est caca ou quoi que ce soit. Si jamais c'est au-delà de 37, genre 50, là il y a un truc qui a pas marché non plus, il va falloir revoir. En fait, si tu veux, ça nous donne des points d'ancrage de ça c'est ok, ça passe, là c'est très chaud, faut faire gaffe, parce que ça veut dire que là on a dépassé, on va dire, une limite qu'on s'était fixée. Mais ça, on peut la dépasser, c'est permissif si tu veux. Mais c'est juste qu'en fait, si tu veux, ce sont un peu des points d'intérêt où il faut pas qu'on oublie en fait. Ce sont les marges, c'est un peu les marges en fait. Dans l'idéal, il faudrait que ça évolue comme ça. Mais avec les gameplay, avec les pouvoirs et tout ça,
Il faut toujours qu'on reste dans cette espèce de marge de manœuvre, en fait. Ça nous donne juste la marge. Voilà. Yes? Ok. Voilà, donc. Donc ça peut paraître très confus dans un premier temps, mais en fait, si tu veux, c'est une règle, par exemple, tiens, je peux donner aussi un exemple à la con, que Darkest Donjon a utilisé pour ses PV. Sauf que ses PV, en fait, sont un peu plus fluctuants, pour la simple et bonne raison, c'est que dans Darkest Donjon, par exemple, il y a d'autres stats qui rentrent en jeu. Genre le dodge, le fait que, bah, par exemple, tu vois, une attaque peut très bien rater, que ce soit des ennemis ou des alliés, enfin. Ça arrive un peu plus chez toi en fait que chez les ennemis en vrai si t'as pas les items mais bon c'est notre histoire. En gros ce qui Parce se... que genre les héros ils ont combien de PV à peu près dans Darkest? C'est des trucs autour de 12 non à peu près? Alors non, Au début. oui au tout début et encore c'est la je crois que c'est les classes les plus faibles Ouais sans c'est peut-être la prêtresse qui a 12 ou non comme ça. non la prêtresse fait partie des médians en termes de PV sinon elle mourrait tout le temps en fait vu dans les positions où elle est selon les IA des monstres, elle mourrait dès le Du coup, premier tour. niveau 1, c'est entre 12 et 18 à peu près, je crois, un truc comme ça, non? Non, ça dépend encore des classes. Par exemple, t'as le Oui, Crusader bien qui sûr, mais c'est a. entre 12 et 18, quoi. Ou 20, je sais plus, Ah mais non, 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 le c'est Crusader, pas je crois très que de rapide. base, il s'approche des 33, hein. 33 PV, hein. De base, hein. En flotte, enfin, comme ça? Ouais, sans item, sans rien du tout. Dans le base de ses bas, je crois que c'est l'antiquaire, parce que l'antiquaire, en fait, je crois que c'est elle qui a le plus bas des PV et des dégâts. Mais en même temps, elle sert qu'à une seule chose, c'est de faire du loot. Donc voilà. Vraiment. Hein. En vrai, on Ouais, il a pourrait. 33 PV niveau 1. De quoi? Il a 33 PV niveau 1. Voilà, tu vois. Bon, c'était facile à se retenir vu que c'est un croisé, 33, chiffre christique, machin, lol MDR. Ouais, donc c'est pour ça, mnémotechnique à la con. Et d'ailleurs, si jamais tu remarques bien, dans les jeux comme ça, à faible PV ou quoi, ça, les PV des personnages sains, ils sont souvent sur le 3 en fait. En termes de enfin, quand tu mets les stats de PV ou quoi en fait. Donc du coup, c'est un mnémotechnique, à chaque fois que c'est sain, généralement ça part tout le temps dans le 3 en fait, tout ça. Je pense que c'est le petit clin d'œil LOL MDR que certains ont fait, je sais pas. Sinon c'est un heureux hasard, mais moi j'y vois plus un espèce de truc voulu des devs ou des mecs qui a équilibré derrière pour faire genre l'MDR, c'est marrant tu vois. Enfin bref. Peut-être parce qu'il faut partir d'une valeur en même. Ouais, mais c'est parce que j'ai remarqué que dans pratiquement tous les jeux où il y avait des stats très chiffrées, faibles comme ça, en fait ça tourne toujours autour du 3, mais bon ça c'est le truc lol, voilà quoi, c'est pas. C'est rien, tu vois. C'était juste la petite anecdote qui sert à rien du tout. C'est parce que j'avais remarqué, j'ai rien préparé pour le prouver réellement avec des histoires et tout, mais bon, c'est autre chose. Donc du coup, voilà. Donc, en gros, je pars à peu près dans le même procédé que beaucoup de... qui va beaucoup nous aider, en fait, là-dessus. Parce qu'au moins, comme ça, du coup, on a vraiment les points d'intérêt. Donc, du coup, grâce à ça... On va peut-être pouvoir du coup s'attaquer peut-être à un cas. Soit on s'attaque à un cas concret, soit on essaye de réécrire au propre. Mais moi je pense qu'on va peut-être plutôt passer à un cas concret. Ce serait plutôt drôle. Histoire de faire le premier test, tu vois. Donc, tiens, on va prendre le Hero Pool. Qu'on va agrandir, histoire qu'on y voit quelque chose sur le stream. Mais jamais ça n'a pas été corrigé ou quoi que Mieux. ce soit. De quoi? C'était mieux. Oui. Alors donc par exemple, tiens, on va prendre. Bah non, on va pas prendre Dreadland. En vrai, on pourrait. Tiens, on va reprendre celui qu'on a repris là pour le premier Squamatus de verre là. Tac. D'accord. Squamatus de verre. Donc Squamatus Lover, en fait, c'était notre premier héros qu'on a essayé d'équilibrer là. Dans le template, là, dans la première version. Quand on a commencé à faire une échelle de valeur pour les spells. Donc on va le reprendre comme ça, on va vraiment voir en gros l'évolution si tu veux de ce qu'il fait, de ce qu'il fait pas, tu vois. Donc on est d'accord que Squamatus le vert, c'est ça. Donc c'est-à-dire que il y a les PV et les dégâts qui sont affichés ici, hein, les attaques et PV. Il faut vraiment que je me décide entre dégâts et attaques, tu vois, c'est incroyable. Donc en fait on va pas vraiment s'intéresser aux spells dans un premier temps. Déjà on va définir à peu près sur quelle base on part en termes de cette échelle là qu'on a fait. D'accord? Par exemple, les rôdeurs,
On avait déjà commencé la dernière fois à dire que dans les dégâts, donc les attaques, la base qui était commune c'était 1, la classe elle aurait 5, et en arme, vu qu'il a du coup, on avait dit que Squamatus, par exemple, sur son idée de perso, en gros, on peut voir qu'en gros, il a un arc et une épée courte. Même si jamais sur la photo on dirait plus une dague, mais en vrai, je vous assure que c'est une épée courte. Putain, du coup, maintenant j'ai le doute, attends. Il faut que je regarde. C'est trop, je suis en train de dire une merde. T'es vraiment en train de mytho là. Ouais, je suis en train de mytho là. Monsieur Squamatus, parce que là-dessus, il est bien rigolo, mais. Ah ouais, c'est bien une épée très. C'est une épée courte, quoi. Donc, oui. Ok, bon, bah, très bien. Du coup, je n'ai pas menti, je suis content. Alors, du coup, on avait décidé aussi qu'on pouvait aussi se donner une petite idée, là, avec les bases d'armure, armure légère, intermédiaire, lourde, les armes, combien ils pourraient valoir ou quoi, tu vois. Là, par exemple, dans le cas de Squamatus, on part sur une épée. D'accord? Et on part sur un arc. Donc, du coup, ça fait 3 et 3, 6 dans l'idée, hein. D'accord? Donc là, du coup, ça ferait 1, 5 et 6. Donc ça ferait du coup 12. Non, oui, ça ferait 12. Pourquoi d'ailleurs, là, j'avais mis 12 sur cet exemple-là alors que c'est 11. Ah oui, non, c'est parce qu'après, on a commencé à dire qu'on pouvait aussi piocher un peu dans les PV pour les. Tu vois, pour les ambiancer, pour que ça colle un peu plus, si jamais on trouve qu'on lui a donné des spells trop forts par rapport à ses stats et que du coup ça fait trop imba. Ouais. Voilà. Donc du coup les PV. Donc on est parti sur un principe de base, c'est que tous les persos, quoi qu'il arrive, ils ont au moins 10 de PV minimum de base. Hein, parce qu'on l'a écrit là ici, la base, donc c'est 10. Vu que la classe du rôdeur lui met un 7, parce que du coup on considère que l'armure qu'il a, en gros, c'est une armure intermédiaire. Et donc l'armure intermédiaire, on était parti du principe que ça faisait 7. D'accord? En sachant que dans l'idée, c'est qu'une armure lourde, là c'est 10. D'accord? Une armure de plate. Visiblement l'intermédiaire, ce serait 7. Et donc du coup, la légère serait 5. Voilà. D'accord? Donc ce serait le plus là, hein. J'arrêtais pas de me montrer le milieu alors que c'est l'intermédiaire, mais. Oui, si, c'est l'intermédiaire. Donc voilà. Donc du coup, ça nous fait, pour Squamatus, ça nous fait un 10, un 7 pour sa classe. Et son armure, ça nous fait 7 aussi. Donc du coup, il transforme son 16 en 24. Et là, dans notre. Il y a un truc que j'ai intentionnellement pas parlé. Dans cette espèce d'échelle de valeur là de marge qu'on s'est mis, en fait, il faut rajouter une petite règle, en fait. C'est que il faut que les dégâts du personnage soient de brut, hein, je parle, sans les spells, parce qu'on compte pas encore les spells. Il faut au moins qu'il soit de la moitié ou moins, jamais supérieur. À part pour des cas très rares où en fait le gameplay évolue là-dessus, tu vois, où c'est vraiment voulu. Mais en temps normal. Il faut pas lui donner par exemple 13 PV, 13 de dégâts si jamais il a que 24 de PV. D'accord? Mais pourquoi? Alors pour la simple et bonne raison, c'est que généralement en fait ça permet de limiter les cases pour tout ce qui est contre ou renvoi de dégâts ou quoi que ce soit en fait. Même si jamais tu l'utiliseras pas plus tard, mais en fait en tout cas ça donne au moins un espèce d'équilibrage assez sympa en fait au niveau des classes. Enfin, surtout des héros, mais bon, on parle aussi des classes ici, parce que pour la simple et bonne raison, c'est que ça permet pas mal de largesse et de durabilité en fait au niveau des combats. C'est-à-dire que si jamais un personnage a la moitié de ses PV, enfin à la moitié de ses PV au maximum en dégâts, ça fait que par rapport aux autres qui vont suivre le même schéma d'équilibrage, il ne va pas pouvoir être tué en deux coups. Et c'est ce qui fait aussi qu'il ne pourra pas tuer un personnage en moins de deux coups. Généralement. Après, il y a aussi l'exception qui confirme la règle. C'est que des fois, en fait, ça s'inverse. Ou en gros, ça va être les dégâts qui vont être plus au-dessus des PV. Mais donc du coup, ça s'inverse aussi. C'est-à-dire qu'en gros, bah, il n'aura pas. Il pourra seulement aller à la moitié de ses dégâts, en fait. En termes de PV. Si jamais on est dans le cas inverse. En fait, c'est possible aussi, mais c'est un peu plus rare. Tu vois?
Mais parce que, en fait, encore une fois, c'est parce qu'en fait, c'est pensé pour un gameplay. Là, en gros, on a pris le cas de Squamatus, parce que Squamatus, il va suivre un truc très simple en termes de création de son personnage. Ça va, il n'y a pas un gameplay transcendant qu'il va avoir pour lui. Ça va être un gameplay très simple, c'est-à-dire il attaque, point, et il suit par rapport à ses dégâts. Ça va pas être au-delà de ça, si tu veux. Ça va pas être un truc spécial du genre à tout moment, tu vois, il peut piocher dans ses PV pour augmenter ses dégâts, ou ses dégâts pour augmenter ses PV, tu vois, pour soigner, ou des conneries comme ça. Il va pas être un buffer, en gros, c'est-à-dire que ça va être très simple. Très, on va dire, bah, limite entendu comme gameplay pour Squamatus. Alors qu'on aura d'autres personnages, par exemple, ceux comme le père de douleur, là, qu'il y a dans la poule de l'aéropool, qu'il faudra refaire, du coup. Bah du coup, lui, on pourra avoir un truc un peu plus incongru au niveau de ses attaques et ses PV, si tu veux. Mais ça, on verra ça plus tard. Là, pour l'instant, on a pris Squamatus parce que c'est vraiment le plus simple. Donc, du coup, première question, du coup, est-ce qu'on garde toujours le système qu'on avait avant d'échelle de valeur en termes de dégâts, tu sais, genre pour enlever ou descendre les stats parce que voilà, les spells étaient trop puissants. Bah dans ce cas-là, on va dire que c'est non. Dans un règle générale, donc non, on va pas le garder. Mais ça peut nous donner au moins une idée de si jamais on trouve que le spell est fort ou pas. C'est-à-dire que quand on aura toute l'aéropool devant nous, on pourra décider si en fait bah, on s'est pas foiré. Parce que en fait on a peut-être un perso qui va avoir une attaque monstrueuse, des PV monstrueux et qui va rouler sur tout le monde. Et en fait on va directement savoir pourquoi. C'est-à-dire que si jamais en fait il a des spells beaucoup trop puissants. Tout simplement. Donc du coup, avec ses stats pétés et ses attaques pétées, bah, tu m'étonnes que du coup, bah, il roule sur tous les héros qu'il a en face de lui, quoi. Ou tous les ennemis du donjon d'ailleurs. Donc ça peut, en fait, ça peut très bien nous mettre en mode une espèce de ce que nous on considère comme étant trop puissant ou pas assez puissant. Comme on pourra aussi peut-être même l'utiliser aussi à une autre version, c'est-à-dire que on peut aussi instaurer le fait que bah, on peut réutiliser le système de points, hein, c'est-à-dire 1, 2, 3. Mais ça veut dire qu'en gros, on peut donner à un héros qu'en gros, il a que 5 points, on va dire, de technique. C'est-à-dire que il peut avoir, bah, en gros. Uniquement pour l'espèce, du coup. Oui, voilà pour les spells en Ça fait. n'impacterait pas sur les PV ou quoi que ce soit. Voilà, exactement. On peut faire des trucs comme ça si tu veux. Contrairement à l'ancien système, du coup. Voilà. Donc, comme ça aussi, ça peut aussi limiter la casse de lui donner, par exemple, par inadvertance, deux spells de 3. Tu sais, le machin il vaut 3 tous les deux. Bah, du coup, ça fait que. Bah, tu sais, on peut partir très simple, hein, c'est-à-dire 1, 2, 3, donc du coup ça veut dire 6. Oui. En gros, on enlève l'ancien système, tu vois, qui disait bah, en gros, si jamais c'est un 1, ça veut dire qu'on le considère donc faible, donc ça vaut 2 points. Bah, ça, on l'enlève. On garde seulement le chiffre là, tu vois. Donc faible, ça vaut qu'un point. Modéré, ça vaut 2. Puissant, ça vaut 3. Comme ça, on sait par exemple que pour un héros, vu qu'il a 3 spells, on peut donner à tous les héros, on va dire, une poule de points de 6. Donc c'est-à-dire qu'en gros il peut avoir un tchak s'il veut ou s'amuser à faire 2 de 2 et 1, tu vois, histoire, ou que des 2, tu vois, ou des trucs comme ça en fait. On peut aussi s'amuser à faire des trucs comme ça si on voit qu'il y a des spells qui marchent pas ou qui sont pas utilisables parce qu'en fait ça pue la merde donc personne n'utilisera et tout ça. Voilà, ce genre de petites choses comme ça. Donc si on garde ce système-là, mais ça on va le mettre de côté, en vrai on n'est pas obligé, hein, c'est vraiment juste... C'est un au cas où, si on voit qu'on n'arrive vraiment pas à se démerder avec ce système-là. Mais est-ce que déjà pour le moment t'es d'accord avec ce système-là, Ulor? Non, moi, ça me pose pas de problème. Hein. D'accord. J'ai déjà dit 15 fois, mais c'est ton problème. Oui, enfin, moi j'aime bien aussi quand on me dit que. Alors, je voudrais pas me la ramener, mais ça commence à puer un peu le. Tu vois, ce genre de truc, comme ça, tu Ouais, vois, je sais. je te l'ai déjà dit, hein, c'est pour ça que t'en as parlé. Pardon, je vapotais donc du coup. Bravo. Bah oui, On mais peut. j'essaye On peut. Oui, mais j'essaye de pas bousiller parce que j'ai Tu vois écouté. l'exemple Hein. que tu donnes aux jeunes? C'est Ouais, ça incroyable. va, ça va, ça va. On n'en est plus là. Hein. Donc du coup, donc pistage. Dans Squamatus, en gros, il avait un pistage. C'est après un combat, vous pouvez regarder sans l'activer la carte événement de la tuile adjacente. Ça, on peut le garder ce spell, clairement. Dans le sens où ça peut être très utile en donjon, et vu que c'est un spell de donjon, c'est stylé, tu vois. Ou, d'ailleurs j'y ai pensé, on peut mettre pistage à la place de repos. Donc du coup ça devient une capacité de guilde.
Donc voilà. Oui à quoi? Oui, ça pourrait s'inverser facilement. Enfin, s'inverser, non, parce que du coup, les PV hors guide, c'est bizarre. Non, Mais... on Ouais, puis c'était l'enlèverait je en prends fait. une compétence de guide. Voilà, donc ça par exemple, tu on l'enlève. Tu vois ce que je veux dire? Mais donc du coup, par contre, ça, vu que c'est en guilde, bah on est obligé de le mettre à 3 en vrai, en termes de. Parce que franchement, mec, c'est broken. C'est-à-dire qu'à Ça ch... fait péter, ouais. c'est ultra pété, donc du coup, faut qu'on fasse gaffe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bah, on n'a qu'à faire ça comme ça. Comme ça, on va pouvoir voir directement. Tac. Alors, couper. J'hésitais, je sais pas pourquoi. Coller, voilà. Donc, du coup, pistage devient sa compétence de guilde. Mais, par contre, du coup, c'est un 3. Donc, chasseur né. Une fois seulement pendant le combat, il désigne une cible au début du combat. Squamatus lui infligera toujours le double de ses dégâts. Donc, ça, on peut le garder. Par contre, vu que c'est un double de dégâts. Bah déjà une, ouais c'est assez puissant. Parce qu'au final du coup il infligera 24. En gros il lui infligera ses PV dans la gueule. Hein. C'est comme si en gros il se jetait lui-même sur la cible en mode genre je t'étouffe, tu vois. Donc en vrai j'ai presque envie de. J'hésite vraiment entre 3 et 2. Hein. Mais vu que c'est qu'une seule fois, ça baisse, tu vois. C'est pas comme si c'est genre Par il. contre, Hein? qu'une fois par combat, quoi. Ouais, c'est ça le truc. Donc du coup j'ai envie de mettre 2 quand même. Et donc du coup, en vrai, on pourrait le mettre là. Oh, tiens, couper. Tac. Tic, 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 tic. Ce sera beaucoup plus lisible comme tout. Hop. Donc du coup, il lui faut maintenant une deuxième ability. Mais cette fois-ci, une ability qu'il peut quand même utiliser. Parce qu'en fait, les deux trucs, vraiment... À part en gros taper une fois tout seul tout, ça fait chier. Donc en vrai, on peut lui donner une autre ability. Mais si on suivait le système qu'on a dit, c'est-à-dire que 6 points par exemple à un héros, bah du coup il nous manquerait plus qu'une ability à 1. Voilà. Alors, Squamatus dans l'idée. On l'avait pensé pour être plus une espèce de rôdeur, mais bon, c'est un rôdeur, c'est pas une espèce de rôdeur, c'est un rôdeur. Mais qui était là aussi pour délivrer des nions. Dans l'idée, c'est ça, vu son design et tout. Enfin, son design. J'en parle comme si c'était un truc définitif, le truc. Enfin, je veux dire. Voilà, c'est dans l'idée, le concept du perso, en gros, voilà. C'est pas lui tu veux, que tu vas voir pour lui demander si jamais il veut pas faire des crêpes avec toi un lundi matin, quoi. Même si je le soupçonne de le savoir le faire. Mais en tout cas, voilà. Donc du coup, il y a cette idée, en gros, tu vois, qui est là pour faire du dégât. Donc, c'est là où on est un peu emmerdé, parce que du coup, vu qu'on a échangé avec Repo, ça va être un poil plus douillet en fait pour lui donner une bonne ability en fait qui reste en fait avec l'idée du perso. Mais malheureusement j'ai l'impression qu'on va devoir partir sur du poison. Sur une attaque à poison. Qui histoire de, en fait qu'en gros il affaiblisse en fait ses prochaines cibles, tu vois. En gros, dans l'idée, c'est un chasseur au final, tu vois. C'est un rôdeur, il protège pas vraiment la forêt en vrai, hein. Il y va juste pour bouffer en vrai. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que bah non, bah vu que c'est un homme Pendragon, alors hop. Donc un croc, je sais pas si c'est un E en vrai, voilà, d'accord. Donc, Squamatus empoisonne une cible. Et je vais directement copier-coller la définition du poison, comme ça ce sera plus simple. Blablabla. C'est vraiment plus simple, vraiment, c'est...
Hop. Tac. Merde. Merde. J'ai pas choisi le bon truc. Hop, hop. Mais sans lui infliger en fait les dégâts de base, tu vois. Ce sera juste empoisonne une cible. Pour la simple et bonne raison, c'est que sinon en Pour la suite, fait. quoi. Hein, pardon? C'est que pour la suite, quoi. Oui, voilà, c'est juste pour préparer, on va dire, en prédigérer les machins. Et en plus de ça, ça colle un peu avec le lore en fait aussi de l'univers, parce que vu que c'est un Pendragon vert. Voilà, hein, c'est. Alors c'est vrai que bon, j'aurais dû faire autrement, c'est-à-dire comme dans la vraie vie, c'est-à-dire que les serpents en fait les plus colorés en fait sont eux les venimeux. Si jamais c'est, mais c'est vu que c'est un dragon, enfin voilà, c'est à moitié un dragon, donc du coup ça passe. Et puis en même temps, ta gueule c'est magique, le fameux, c'est fini. Tu Donc là d'un coup, Squamatus, bah il ressemblerait à ça en fait avec le nouveau système. C'est-à-dire qu'il a une cible. Parmi le prochain combat qui va s'en manger mais plein la gueule et qui va continuer à lui en mettre plein la gueule pendant qu'il si jamais genre il voit que voilà par exemple il peut pas toucher la cible là qu'il a désignée bah du coup s'il veut il peut essayer de préparer les autres pour le prochain coup hein, quand il pourra enfin tuer la cible désignée. Il y a son truc de guilde qui est monstrueusement pété en vrai. Moi je suis désolé hein, Il a plus d'intérêt en vrai dans la guilde que qu'autre chose. Ouais, c'est ça, tu vois. Enfin, après, il est quand même vénère sur place, mais. C'est ça le C'est vrai que truc. niveau capacité de guilde, il est vénère. Ah oui, il est vénère de ouf, hein, en vrai. C'est vrai qu'il risque très fortement en fait d'être un héros qu'on va avoir, mais que en guilde, en vrai. Donc, c'est pour ça que bah, c'est aussi le. C'est aussi une possibilité, mais après, le truc, il est là, c'est que Squamatus, en vrai. Il est assez versatile, il est utile vraiment dans les deux cas, hein, je trouve, pour le moment. En tout cas, voilà. Donc, du coup, ce serait l'exemple même de Squamatus. Ok? Donc. Le truc, c'est qu'on avait commencé à définir là les classes qu'il y avait dans le jeu. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire en vrai le reste des bases, histoire qu'on soit pas trop perdu. Donc, pour les paladins, on avait mis un PV de 10, dégâts 3 de base. Là, au niveau de la classe, parce qu'en fait, il faut enlever base. Hein. Ça, quand par exemple, j'avais mis ça là devant, c'était pour la dernière fois, en gros, pour dire que c'était leur stat de classe, donc c'est-à-dire le milieu là dans l'addition, le deuxième chiffre, le deuxième nombre, pardon. Sinon, ce serait 0, deuxième chiffre. Alors, du coup, il va falloir qu'on fasse ça pour tout le monde. Sinon, ça va être chiant. Donc, tac. Sinon, on va pas comprendre. Après, ça va être chiant. Tout le monde va pleurer. Et puis, moi aussi, je vais commencer à pleurer. Et puis voilà. Donc, c'est chiant. Donc, du coup. Alors, dans les dégâts de Squam, on avait mis 5. 7 de base. Ah non, ça c'était pour. Tu vois, je commence déjà à faire n'importe quoi. Mais, cela se tient. du coup, donc, oui, en fait, 5. Pour ce qu'il y a, en fait, là, j'ai aussi mis paladin, parce qu'à un moment donné, je me suis gratté la tête et je me suis dit, mais en fait, les paladins, c'est juste des guerriers de base, donc pourquoi se casser les fesses? Tu vois? Et je vais m'y tenir, en fait. Parce que c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Donc, on va faire ça. Ça va être énormément mieux. Hop. Allez, soyons. Tiens, on va commencer déjà les bonnes habitudes. On va mettre A. Sinon, après, ça va être chiant. Hop. Rôdeur, du coup. A5. Putain, je vois direct les blagues du genre. Pourquoi il a une. Putain, avec les feuilles, c'est A5, A4, mes couilles. Je sais pas pourquoi je le vois venir. C'est recherché quand même. Je connais les casse-couilles. J'en ai. Enfin, j'en suis un. Donc, Ouais. déjà de base. Les attaques. Donc, du coup, ouais, voilà. Donc, là, on va commencer à rentrer dans les classes un peu plus squishy. Hein? Donc. Mais là, enfin, squishy. Bon, qui vont infliger à un moment donné du pâté. Hein, qu'on soit en clair. Donc, là, clairement. J'ai presque envie de mettre 7. En attaque pour les voleurs.
Parce que pour la simple et bonne raison, c'est que. En fait, ça suit toujours la règle, en fait, si tu veux, qu'on avait mis à un moment donné là. Là, ici. Mais, du coup, ça ment un peu. Parce que du coup, je pourrais très bien mettre 8, en fait. D'accord? Mais le truc, c'est que vu qu'on ne sait pas directement en fait qui va être en fait le héros le plus faible, pour l'instant ces chiffres peuvent changer à tout moment en fait. C'est ça le problème aussi. D'accord? Changer à tout moment. Oui, tout peut changer à tout moment. Mais ceux-là, en fait, faut rester en conscience que eux, on le. Enfin voilà quoi, c'est. Il y a un énorme doute, genre, pour l'équilibrage. En gros, il faut y repenser quand on aura la liste complète des héros. Peut-être revoir à ce moment-là si le système d'équilibrage tient toujours, est-ce que les chiffres qu'on a mis en fait en postulat sont bons ou pas. Donc voilà, c'est juste ça en fait. Donc, le truc en fait avec les voleurs, ce qui se passe, ou les assassins, les roublards, les espions, tout ce que tu veux, mais voilà, eux ils sont équipés, on va dire, de la même merde que les rôdeurs en temps normal, tu vois, c'est-à-dire en intermédiaire, tu vois, parce qu'on avait dit qu'il y avait trois classes d'armure seulement, bon bah. En intermédiaire, donc les mecs, en vrai, j'ai presque envie de mettre la même chose, tu vois, 7. Seulement, en fait, eux, ça va être des machines à jambon, hein, comparé aux autres. Les rôdeurs, dans l'idée, c'est un peu plus des gars, si tu veux, qui vont vraiment être un peu plus versatiles, si tu veux. Genre, il y en aura qui pourront attaquer plusieurs ennemis, tu vois, en même temps, tu vois. En gros, ce sont des guerriers un peu plus squishy, mais qui vont faire plus mal, si tu veux. Les voleurs et les assassins et tout ça, eux, vont être dans l'optique mono-cible, réellement mono-cible. Ou empoisonnement. Ou, tu vois, genre affaiblissement vraiment de ouf. Donc c'est pour ça que du coup, ils vont faire plus mal, mais ils seront moins, on va dire, versatiles, on va dire, de clear les méchants, quoi, qu'ils vont avoir dans la gueule. Donc c'est pour ça que du coup, normalement. Je les équipe comme ça. Mais après, les plus chiants d'entre vous pourront peut-être me faire remarquer que dans le JDR, par exemple, ils prennent encore les 5 ressins JDR les plus connus, genre Donjons et Dragons, Warhammer, tout ça, qu'en gros, les rôdeurs, généralement, bah, ils sont équipés de à peu près de la même merde que les guerriers. En fait, les guerriers et les rôdeurs, c'est à peu près la même chose, sauf que les guerriers sont un peu plus. Bah, en gros, ils ont juste des spells qui changent réellement. En fait, les stats sont à peu près les mêmes. À part peut-être dans Donjons et Dragons où les guerriers sont un peu plus robustes que les rôdeurs, mais sinon ils portent tous la même armure. Donc parce que vu, tu sais, mec, y a des niveaux, si tu veux, d'armure. Il n'y a pas juste légère, intermédiaire et lourde. Hein. T'as tous les autres petits trucs qui s'échevauchent entre ces trois-là. Donc c'est assez ridicule. Mais soyons consistants, on va leur donner ça, et puis zut, hein, comme ça on part dans les clichés et c'est pas grave. Alors les prêtres. Les druides, les chamans et tout ça. Alors eux, leur délire, leur attaque, c'est pas ce qui va être le plus haut. Pardon, j'ai éternué. Donc en fait, eux, ça va vraiment être leur système de pouvoir. Évidemment, il y en a qui vont booster leur attaque. Soyons pas cons, il y en a qui vont buffer comme des enfoirés, il y en a qui vont debuff aussi. Mais dans l'idée, c'est plus des supports, c'est un peu plus des couteaux suisses, mais peut-être sans le couteau en fait. C'est des Suisses quoi. Voilà. Ils évitent le combat quoi. Bah, disons qu'ils sont pas là pour ça, quoi. Donc, on va leur mettre la même attaque que les guerriers. Donc du coup, on va leur mettre 3. Seulement. Il faut savoir une chose, ça c'est la stat de base, ok? Dans la classe en question, là ici, ce qui va se décider, c'est aussi parmi ceux-là, tu vois, les archétypes. Par exemple, le paladin, tu vois, je peux définir que c'est 3, tu vois. Mais par exemple, un barbare, je vais pas lui mettre 3, tu vois, je vais peut-être plutôt lui mettre 5. En gros, il va à peu près avoir les mêmes stats qu'un rôdeur, parce que du coup je vais enlever 2 par exemple dans ses points de vie de classe là pour lui rajouter les 2 pour que ça fasse 5. Donc du coup il aura 8 si tu veux, mais ce sera un barbare. Il sera à peu près là, au même niveau qu'un rôdeur à peu près. Mais ils auront des spells bien différents. Par exemple un barbare,
Bah, il sera, en fait, il est là plus pour tanker. En fait, c'est un guerrier, si tu veux, qui est, bah, qui aide pas tellement que ça, en fait, ses potes. Il est vraiment solo, 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 solo. Tu vois, il va même pas sait faire. Il a plus de dégâts, quoi. Oui, il est là juste. C'est voilà, c'est ça aussi les guerriers. Donc, si tu veux, voilà, il y a ce genre de truc là, tu vois. Donc, du coup, je vais le baisser un peu ses stats, machin et tout. Mais il sera toujours dans la branche des guerriers, tu vois. Il faut savoir ça aussi. Hein. Donc, là, c'est un peu arbitraire. Dans un premier temps, mais il faut savoir que vu qu'il y a des sous-classes, ça s'équilibre déjà très vite grâce à ce système. Alors les PV pour les prêtres. Le truc c'est que on est sur un truc genre 5. Alors donc on va me dire, mais Jamy, on a un problème là. Quand même. C'est pas beaucoup en fait là en attaque et en PV. Oui. Mais il faut pas oublier que ce sont des gros supports. Et voire même pour certains des gros machines à jambon aussi. Hein. Les mecs, ils seront très versatiles, ça dépendra de ce qu'on veut, tu vois. Genre si jamais on a un prêtre de lumière, bon oui, il va passer son temps à heal, il va passer son temps à buff ses potes s'il le faut ou quoi, ou à les protéger même. Les noirs, eux, ils vont pas arrêter en fait, si tu veux. Si jamais ils ont des vies qui commencent à. Enfin non, pas les noirs. Oui, enfin les prêtres de. Les prêtres, les pères de douleur, tu vois, tout ça, les mères de douleur et tout ça. Mais bon, noir, lumière, oui, bon, d'accord, ok. Mais parce que je voulais éviter le mot ténèbres, et en fait, je vois que ça marche pas. Donc, on va mettre douleur, sinon on va avoir des problèmes. Et. C'est pas une bonne idée. Eux, par contre, ils vont pas arrêter on va dire, de prendre la vie des autres. Hein. Donc, ils vont être très Volvi, ils vont être très casse-couilles là-dessus. Donc, il y a moyen. Ils vont se protéger, y a pas de souci. Pour ce qui est des chamans, des druides. Toutes ces joyeusetés païennes, comment dire, c'est eux, ça va être clairement des gros buffeurs dans leur majorité. Mais il y a aussi, comme on a dit tout à l'heure, avec le barbare, là, l'exemple du barbare, il y en a qui vont avoir plus de PV. Pas d'inquiétude. Ou plus d'attaque. Pas d'inquiétude. Eux, leur but, c'est vraiment d'être les copains qui t'apportent la quiche à la fin du combat, quoi. Ou pendant le combat. Donc, du coup, t'es rassasié, t'es bien, et c'est stylé. Alors, les mages. Les mages, eux, on leur met à 5. Pas 56, c'est pété. Pourquoi 5? En fait, ce qui se passe, c'est que leur spell, déjà de base, en fait, ça. Il y aura déjà un chiffre défini. Plus leurs attaques. Leurs points d'attaque, en gros. Donc, du coup, ça va être énorme. Enfin, ça va être super simple avec les items. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé depuis qu'on commence à faire ça, mais les items vont aussi pas mal buffer les mages. Donc du coup, si jamais par exemple tu lootes l'item à la con, genre épée de débutant là, qu'on avait vu pendant la proto-maquette, et qui donnait genre juste un PV, non, un point de dégâts ou une connerie dans le genre, et bah du coup ça va aussi booster leur capacité de combat, de donjon. Parce qu'il y aura attaque plus attaque, tu vois. Donc du coup, c'est pour ça que je mets à 5, parce que du coup, ça équilibre pas mal. Sachant que tu auras certains qui vont jouer là-dessus aussi, hein, qui vont commencer à embrouiller leur monde et tout ça. Et leur PV, pas 58 aussi. Putain, les mages, ils commencent à prendre possession de mon clavier, j'arrête pas de marquer autre chose que leur vraie stat. PV 5. Parce que eux aussi, ils sont en jupette, faut pas déconner. Hein. Ils sont comme les prêtres là, comme les chamans et les druides, hein, ils sont tous en jupette, ils sont tous contents. Donc à un moment donné, faut pas déconner. Voilà. Mais ça c'est un système d'équilibrage. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y a la sacro-sainte trinité, parce que c'est beaucoup plus simple pour les gens de faire. Il y en a un qui attaque, un qui heal, et il y en a un qui tank. Ça c'est la sainte trinité qui a toujours bercé à un moment donné, au bout d'un moment donné dans les JDR, les jeux et tout ça. Alors qu'au tout début de tout ce qui est JDR et avec des trucs à classe, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas la Sainte Trinité en vrai. Hein. Il y avait une idée de ce que en fait ce que pouvait faire cette classe-là, et après bah ça a dégénéré ou ça a commencé à être ça partout. Et ce que je regrette beaucoup d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que du coup maintenant aujourd'hui, par exemple quand je crée des JDR, les classes, je les fais moins archétypales. Enfin, je dis bien archétypales, parce qu'en vrai, ça aide pas mal pour équilibrer, hein, faut pas déconner. Hein. Revenir à l'ancien système où t'avais pas ce genre de truc de genre il y en a un qui attaque, il y en a un qui heal et un autre qui tank. Bah, c'est un peu le bordel des fois équilibré, hein, parce que vu que tout le monde peut faire un peu tout. Et après il y a toujours le truc de on sait tout faire mais on sait rien faire à la fois, tu vois. Coucou le Gat-Gat. Salut Gat-Gat. Allô. Comment ça, hein?
Donc, en invocateur et les nécromanciens, enfin bref, tout ça. Alors, on reste dans l'idée du prêtre de douleur, machin, tout ça, druide et tout le bordel. Pour la simple et bonne raison, c'est que. En vrai, eux, ça va être leur invocation qui vont faire le café. Mais il y a aussi l'autre parti pris de bah ça reste quand même des mages quelque part, donc pourquoi pas les mettre à 5. Et en vrai, on peut les mettre à 5. Donc c'est pour ça que du coup, je voulais peut-être mettre 3 au début, mais je me fais confiance pour équilibrer le bordel, donc je me mets 5. Allez. Donc, on a nos bases de classe. Il est où le code? Bah ça tu demanderas à Hulor pour le code. Je suis en train de voir pour le streamer, mais en fait on peut pas streamer les terminales, c'est malheureux. Fort dommage, j'ai bientôt plus de batterie. Mince. Alors. Tac, tac. Donc, du coup, après on a les armes, et ça, les armes et les armures, ça on va voir après. En fait, ça va être du cas par cas, donc autant faire ça quoi. Sachant que les mages, leurs armes c'est eux. Donc, il y a de ça aussi, hein, qui va changer. Parce que là, en fait, tout ce qu'on a défini, en fait, c'est le truc de classe. D'accord? Mais pour que ce soit plus équilibré, dans armes, on va aussi compter spell, tu vois, genre. Si jamais en fait par exemple tu vois ce sont des classes à spell, c'est-à-dire les mages, les invocateurs, les prêtres, peut-être pas les voleurs non. Tu vois, donc du coup ça aussi ça va avoir un coût. Généralement on va les considérer comme lourdes. Les trucs à spell. Parce que en vrai ils vont. Ouais, l'arme à spell ça va être quand même assez vénère. Donc du coup voilà, donc là on en est là. Très bien. Donc, en vrai, j'écrirai au Je sais pas propre tout ça. si t'arrives à voir ce De que je quoi? stream. Ah mince, j'avais pas vu. Sais pas si on voit des trucs. Alors, moi, je vois noir pour le moment. Voilà, c'est pas ce qui me semble. Ah non, attends, je vois juste ta petite souris, mais je vois noir. Oui, je la vois bouger, ouais. Ouais. C'est tout. En Je vois fait, pas là. y a quoi en fait? À part le Mais il y a noir. tout mon écran. C'est censé streamer tout mon écran. Alors, je suis désolé de te le dire, mais C'est cassé. c'est artistiquement noir. C'est cassé. Je crois que Discord sur Linux, ça marche pas très bien. Ah oui, c'est vrai que tu essayais sur Linux en fait, c'est ça le truc. Oui, D'abord. comme la voix. Casser la voix? Je la ref. D'ailleurs, Galgat, on l'entend bien, Hulan, ou pas? Parce que. Vous posez la question. Paramètres Linux. Pendant que tu nous réponds, je vais juste, du coup. Tic-tac, 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 tic-tac. Donc, du coup. Un peu moins que toi, Norse. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est malheureux. Paf. Je peux pas faire plus que ça. On se devrait le faire. Voilà. Bon, bah maintenant du coup qu'on a mis ça en place, bah du coup on va commencer à faire les autres, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, tac. Squamatus là, on va le prendre, on va le copier. Tac. Aeropool, on va juste swapper pour que vous compreniez quelque chose, histoire que vous fassiez pas genre, eh hey, mais on comprend R. Ils comprennent R. Et c'est normal que vous compreniez C'est la R. vérité. Et c'est normal. Hop, CTRL-C, CTRL. Voilà. Donc maintenant, Squamatus a évolué. Il s'est transformé en Squamatax. Hop. Donc du coup. Alors, dans le but le plus simple qu'on pourrait faire, en fait, pour équilibrer. À nouveau, en fait, la liste de persos qu'on a déjà fait, c'est en gros, on va les reprendre bah, du début. Donc, c'est-à-dire qu'on va commencer par le paladin aussi. Donc, hop, hop, hop.
passer par le petit template d'équilibrage. D'accord, donc hop là. Faut que j'éponge. De quoi? Faut que j'éponge mon PC. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais j'ai pas de prise, c'est ça qui m'emmerde. Ah merde. J'ai plus de prise à côté de moi. Ah ça c'est caca ça. Catastrophe. Ah ça c'est caca. En plus je me déplace. C'est l'avantage d'être petit PC, je peux me déplacer avec son problème. Donc du coup on reprend le truc des paladins pendant que tu vas. Donc du coup une base de 1. Une classe de 3. Les armes, on a vu qu'en gros il avait dans l'exemple de Dreyland. Donc je peux être sympa et vous mettre directement le petit perso en haut là. Alors j'ai bien à jour le stream d'ailleurs, tu vois la fenêtre de jeu. La fenêtre de jeu. Partager l'écran ne marche pas, mais partager une fenêtre ça marche, mais on n'a pas le droit de partager les terminales. Il y a beaucoup de conditions quand même pour pouvoir partager des trucs. Nouvelle règle. Ah, c'est un peu ça. Donc du coup on était parti pour Dreyland qu'en gros il avait 7 de PV, 7 d'attaque. Et 10 de et 30 de PV. Tu la vois ou pas? De quoi? Ah pardon. La fenêtre de jeu. Alors de ça c'est pour que tu regardes. Alors, il y a alors c'est tout petit en noir, est-ce que c'est normal? En fait, c'est tout petit. Ouais, oui. Attends. Non non non, mais je vais te montrer en fait, tiens, regarde. Tu vas mieux comprendre. Tac. Voilà, paf, paf. Je te mets ça dans le. Hop. Voilà ce que je vois. Oui, c'est exactement ça. Ah, c'est ça? Eh oui. Il y a du texte. Il n'y avait pas de texte avant. Bon, enfin, t'es bien d'accord que c'est limite un pixel là. Oh putain, ce qui est casse-couille. Du coup, je peux te streamer, c'est ça? C'est ça l'idée? Bah, tu peux streamer une démo temporaire. Ok. Oh, putain, alors... chaque fois il va la quitter. Non, ça va être chiant. J'ai l'impression que. Vous voyez? Bon, alors. Est-ce que vous êtes prêts? Du coup. Attends, bon, alors. Je suis désolé. Pour ceux qui vont voir ça. Ah. Duplique. Je m'en excuse. Je m'en excuse. Hop. Alors. Donc du coup, ça. Hop, 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 hop. Alors. Du coup, c'était pas prévu. Je suis désolé, je vais prendre un peu de temps. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaie de te streamer toi, 2 secondes. J'arrive. C'est pas compliqué. Oui, non, mais ça va, ça va, ça va. Parce que j'avais pas prévu, donc du coup, j'ai pas préparé les scènes. Est-ce que tu comprends ça, les scènes? C'est pas prévu. Alors, je suis désolé, vous allez voir des trucs. Stream Discord. Ouais, voilà. C'est pas ça. Tac, 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 tac. Mais c'est ça, non? Ah, il y a quelque chose, mais il faudrait que tu sortes en fait le la fenêtre de stream. Ouais, de Discord, je pense. Hop. Je pense que c'est ça. Alors voilà, je vois que ça. Hein. Tu vois là? Mais avant, tu voyais rien. Oui. Donc, voilà. Donc explique-nous qu'est-ce qu'on est en train de regarder, Ulo. Du texte. On affiche du texte. Oui, mais. C'est ouf. C'est une nouvelle fonctionnalité, ça n'existait pas avant. Je déconne pas. Non, mais explique-nous, du coup, pour ceux qui ne comprennent pas en quoi c'est oufissime, par exemple, ceux qui ne codent pas ou qui. Voilà. Bah, avant, ça n'existait pas. Je te remercie. Genre vraiment? Genre vraiment, avant, ça n'existait pas dans la lib. Donc, qu'est-ce qu'une lib? Ah non, on va pas le faire à chaque fois. Ça. Ah non, mec, on l'a fait qu'une seule fois. La lib, on le fait à chaque épisode, arrête. Ah, je suis pas si sûr que ça. Mais juste dans le doute, tu peux pas nous le rappeler. C'est 5 fois dans le lexique, le machin. C'est l'ensemble des outils qu'on utilise. À chaque fois, tu me fais le coup, ça devient insupportable.
Je sais, je sais. Donc du T'as pas coup, l'air de comprendre. qu'est-ce que c'est du coup que ce simple texte? C'est toi qui l'as marqué? Est-ce que c'est par La défaut? démo que ça marche au final. Avant on l'avait pas et non on peut afficher du texte. Nice. Et du coup, cette résolution, elle est, c'est normal, c'est quoi? Quelle résolution? Bah, que ça soit tout petit La comme taille du ça. texte? Ouais, tout ça. C'est paramétrable. D'accord. Je fais des tests. Très bien. D'ailleurs, juste un petit retour vite fait, je demande. On entend ce qui se passe là dans le quartier ou pas? Parce que j'ai ouvert la fenêtre vu qu'il fait chaud sa mère. Non, non, on n'entend rien. D'accord. Bah, Moi, après, je sais j'entends pas rien. parce que la sensibilité du micro Discord n'est pas la même que celui du stream. Donc c'est pour ça que je demande. Là par exemple typiquement il y a un gamin qui pleure. On n'en sait rien. Quel est ton background petit homme? Enfin bref. Donc du coup ouais c'est cool. Du coup on peut afficher du texte. Ça aide pas mal pour faire des menus, parce qu'avant on pouvait pas. Exactement. Et franchement je le disais sans sarcasme, hein, vraiment. Hein, parce que les gens en fait ont... Alors ça, tu vois par exemple, du point de vue d'un mec qui a essayé de maîtriser... un programme ou quoi, tu vois, pour faire un jeu ou juste pour afficher des trucs ou quoi. On se rend pas bien compte à quel point juste pour pouvoir afficher du texte, c'est déjà une victoire en soi. Mais sans déconner en plus. Vraiment sans déconner. À cette échelle-là, ouais, parce qu'après, sur un moteur déjà existant, c'est chaud. Enfin, c'est chaud. Ça se fait tout seul, quoi. C'est Ouais. pas le même défi, quoi. C'est pas le même défi, mais c'est vrai que par exemple, quand tu vois, tu comprends que tous les par exemple tous les RPG Maker, tous les machins en fait, bah au final en gros, bah t'apprends un truc qui est tellement bah en fait ça te limite tellement dans la création. Parce que en fait t'es obligé de faire tout avec des bouts de ficelle, mais genre vraiment tu sais Tu rentres brico. dans le moule, quoi. Hein, pardon? Tu rentres dans le moule, quoi. Ouais voilà, tu rentres dans un moule, mais en même temps, vu les fonctionnalités que ça offre, bah le moule il est étouffant en fait. Vraiment, hein. Il y a tout. Enfin bref, on pourrait tenir des heures avec ça. Mais ce n'est pas l'occasion. Donc voilà. Mais oui, donc comme dit GatGat, maintenant faut afficher tout le deck. Donc qu'est-ce que tu entends par là d'ailleurs GatGat, c'est-à-dire genre tu veux qu'on mette des lignes, des lignes, des lignes, des lignes de trucs ou. Enfin bref. Incroyable. Et là par exemple. Du coup, qu'est-ce qui te reste enfin, c'est quoi la prochaine étape, par exemple, pour toi, là, pour ta partie à toi? Du coup, moi, je vais essayer de voir si je peux rendre ça plus dynamique à base de data et pas me limiter à devoir toujours changer le code. Ça D'accord. va éviter de chier. Donc, du coup, je vais te mettre dans un petit coin. Ok. Tac, 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 tac. Alors, ouais, du coup, on voit plus rien. C'est stylé. Oh, bah, dis donc, on nous a pas bien placé. Alors. Tika, 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 tika. Et donc, monsieur OBS, là. Pas du tout. C'est tout pété. Oui, c'est tout pété. J'ai encore tout fait casser, bordel. Je vois de loin ce qui se passe. Je vois de loin. Je peux même pas regarder le stream sur moi. Ah merde. Ah merde. Alors. Parce que du coup, il faut que j'essaie de t'afficher. En tout bien, tout honneur. Hop. Oh putain, j'aurais pas dû mettre désactivé, je suis débile. Bref. Alors, parce que là, c'est un coup à me faire bombardax la tronchaxe. Donc, du coup, je vais te mettre dans un petit coin. Hop.
te mette dans un petit coin mignon. Sinon tu vas être tout énervé, c'est pas bien. Voilà. Bon, ça fait très fouillis. Mais... En vrai, où est-ce que je pourrais te mettre, putain? Ah, j'ai une idée. Non, bah non. Bon, allez, hop, on s'en fiche. C'est beau, non, c'est moche, mais on s'en fout, c'est pas ça le problème. Alors, donc, une heure. Du coup, je te laisse bosser là-dessus. Tac, tac, tac. Donc, du coup, Dreyland, on était parti sur son attaque à 7. Si on a suivi les armes. Parce qu'en fait, dans les armes, en gros, il aurait une épée et un bouclier. Donc, l'épée, on était passé à 3. D'accord. Un bouclier, en vrai, c'est un tout petit peu quand même. Parce que, attends, si on reprend le truc. Du coup, en vrai, le bouclier, j'ai presque envie de le mettre 2 comme une dague. Sachant que dans la vraie vie, s'il y a une arme à prendre, en vrai, dans un combat, tu prends le bouclier. Franchement, c'est. Enfin, ça dépend quel type de bouclier aussi, hein, faut pas déconner. Donc, du coup, ce serait 5. Donc, il passe, du coup, à 9. Donc là, attaque de 9, PV de 30. Donc, on reste encore dans le ratio où il a pas le double total vraiment de ses PV. En vrai, il faut y aller pour le buter tout de suite. En vrai, un Squamatus, ce serait pas mal pour le buter tout de suite. Mais bon, il prendrait quand même des tours. Tu vois, c'est ça aussi le truc. Donc, on va garder quand même son petit bouclier vertueux. Parce que moi, je trouve que c'est un peu son dada. Hein, il est un peu là pour ça. Donc, il sélectionne un allié. Dreyland prendra ses dégâts. Donc, moi, je dis oui. C'est un oui. Après, on a un coup de bouclier. La cible est assommée. Moi, je dis oui. Et t'as sa capacité de guilde, c'est entraînement de paladin. Si Dreyland part de la guilde, il gagne provisoirement 5 points de vie en plus que son maximum. Ce bonus prend fin quand les 5 points de vie sont enlevés. Donc, c'est-à-dire quand il s'est fait infliger genre 5 PV en moins ou des conneries comme ça, il perd son maximum. Donc, c'est-à-dire au lieu d'avoir 30 quand il part de la guilde, il a 35. Mais si jamais il se fait soigner, bah, il dépassera pas les 30, par exemple. Donc j'ai envie de le garder comme ça en fait, en vrai, Dreyland. Sachant que ça pourrait être un paladin type, pas le plus puissant, pas le plus versatile, mais il faut en faire aussi des blends, je pense, pour l'équilibrage. Pour la simple et bonne raison, c'est que ce sera peut-être, on va dire, ça peut être toujours un héros de rechange en fait, au cas où. Si jamais genre tu perds un de tes héros fétiches ou quoi, et qu'il te faut un tank, bah il peut faire le job le temps que tu le remplaces correctement ou quoi, si jamais t'as pas d'autre alternative. Donc moi j'ai envie de le garder comme ça. Donc c'est un gars qui est là pour prendre des dégâts, travaille très bien avec un soigneur, et il assomme, il fait son taf. Donc voilà. Donc j'ai envie de dire oui. C'est un oui. Hop. Donc il a 9,30. Bah, déjà, comme ça, on commence directement à faire des héros qui commencent à puer la classe au niveau stats, hein, par rapport à avant. Ça n'a rien à voir. Ouais. Vos valeurs. Bah, on est obligé, hein, comme je t'avais dit, j'aurais voulu qu'on garde simple, mais en fait, plus le temps avance, et plus dès qu'on met en fait des capacités, en fait, il faut les augmenter parce que on va très vite dans les capacités qui boostent les dégâts et tout ça. Donc voilà quoi, bah, vaut mieux qu'ils durent, tout simplement. Donc maintenant, du coup, on va faire un barbare. Allez, Argesh, le fracasseur. Donc. Pourquoi il est bleu? Alors c'est un Loki. D'accord. On en a parlé de toute façon, des races dans le jeu, donc on va pas faire ça à chaque fois, mais on pourra le faire des piqûres de rappel de Si. temps en temps. Ah ouais? Et donc du coup quand je te demande des trucs, t'es là en mode genre, ouais à chaque stream on le dit, c'est Ouais, parce qu'il y a quoi qui quelqu'un. explique des trucs jusqu'à présent, donc. Quoi? Chiant. Quoi? J'ai fait du lore moi monsieur. Et rien à voir avec ton pseudo. T'as fait du lore, t'as vite fait écrit du blabla en expliquant deux trois trucs. Oui. Tu l'as pas rappelé à chaque stream depuis que tu l'as écrit. Alors en vrai, tu détrompes-toi, mais à chaque fois qu'on montre une race qui n'est pas humaine, on a tendance à expliquer.
D'ailleurs, t'as Pour moi, rien c'est dit, hein. trois mots dessus. De quoi? Tu dis trois mots dessus et puis voilà, quoi. Tu réexpliques pas chaque flamme. Ok, en gros, les Loki, c'est la seule race dans le jeu qui n'ont pas été créées par les dieux ou qui n'ont pas été à un moment donné évoluées. En fait, elles ont été créées par des. Alors, bon, c'est pas trop. Moi, je sais, mais pas vous. C'est un peu le plaisir d'être le dieu de ce monde. Je parle du jeu, hein, calmez-vous, je suis pas tellement mégalomane que ça. Enfin, mégalomane. Merde. Il est tard. Donc du coup, voilà, donc c'est juste ça. Et ils ont aucune forme réellement de prêtrise. En fait, c'est peut-être la seule race, avec les Wakasi d'ailleurs, qui prie pas les dieux en eux-mêmes. Eux, ils sont plutôt chamaniques, druidiques et tout ça. Mais vu que d'ailleurs, c'est la race la plus jeune, hein, bah, du coup, ils sont très primitifs. En vrai, ils sont un peu plus petits que les humains. Par contre, ils ont infiniment plus de muscles qu'eux. Hein. Enfin, infiniment, j'exagère. Mais en tout cas, voilà. Dans l'idée, c'est des gros nerveux. Tu aimes bien jouer à la pétanque avec eux jusqu'au moment où ils commencent à perdre et là tu commences à claquer des fesses. C'est ça l'histoire. Donc, on reprend la base. Donc, A3, PV10, donc attaque 3 et PV10 dans la classe. Donc, c'est-à-dire là. Donc, du coup, on est déjà à 4 en dégâts. On a 20 en PV. Et c'est là d'ailleurs, on en avait parlé tout à l'heure. Non, personne ne me l'a relevé, mais c'est pas, je vais le dire quand même. On avait dit que bon, là, on commence à voir les guerriers. Dans l'optique, dans l'idée, la base de la classe, en fait, ce serait ça. Attaque de 3 et PV de 10, là, dans l'équilibrage, là. Sauf que là, on est en face d'un guerrier. D'un barbare, pour être plus précis. Le barbare, lui, en termes d'équipement et tout le bordel, en fait, il va être à peu près gaulé comme un rôdeur, hein. Sauf qu'il va avoir à peu près les mêmes dégâts. Donc leur base à eux, par exemple, aux barbares, ce serait plus la même chose que les rôdeurs, donc c'est-à-dire 5 et 7. D'ailleurs très drôle, dans le jeu d'origine, hein, dans le JDR, il y a une compétence passive que tu peux choper quand t'es un barbare, c'est magophobie. Si jamais c'est un mage, tu lui pètes 3 fois plus la tronche qu'aux autres. Je trouvais ça rigolo quand je l'ai créé cette capacité. Donc du coup. Gaulé comme un rôdeur au niveau classe, donc 5-7. Donc là déjà on est à 6 et à 17 déjà de PV. On augmente maintenant avec l'arme. L'arme, eux, ils vont être avec d'un truc assez lourd. D'accord? Donc ça va pas être 3. Hein. Donc ça va pas être. Hein, ça va pas être comme les arcs et tout ça. Eux, ils vont vraiment encore un peu plus péter du cul. Donc du coup, on serait à une tac. J'enlève ça, sinon après on va rien comprendre vu que je parle dans le truc. Tac tac tac. Et tac tac tac. Donc du coup, en armure déjà ça va être intermédiaire. Donc c'est 7 de base. Donc tac tac tac. Voilà. Hop. Donc en intermédiaire, on est à 7. D'accord. Donc PV, pour l'instant, on tombe à 24. Donc, Arkesh, on va le mettre 24. Donc déjà, avant il était 16, maintenant il a 24. Le truc, il a plus rien à voir, quoi. En arme, il va avoir une arme lourde. Donc là, on est à 6. Sachant que 5, c'est quand même pas mal. Ça, c'était dans l'optique quand il avait l'arc et un couteau. Enfin, un couteau. Une épée courte. On voit bien que là, le monsieur, il n'est pas équipé d'une cuillère à fromage. D'ailleurs, ça existe ça, les cuillères à fromage, vu que j'en bouffe pas, c'est non, hein, ça n'existe pas, on est d'accord. Cuillère à fromage. Ouais, donc j'ai dit de la merde. Donc on va dire une fourchette à fromage, je sais pas, un couteau à fromage d'ailleurs, hein, c'est plus. Couteau à fromage, ça existe par contre. Oui, donc c'est pour ça que je dis couteau, parce que moi je suis sûr. Il a quand même une massue à deux mains là, enfin une masse à deux mains, donc une masse de guerre. Donc du coup, on va pas lui mettre un faible. En fait, on peut lui remettre 5, parce qu'en fait, par exemple, dans l'histoire de Squamatus, lui il avait un arc. Et une épée courte. Les deux combinés, ça fait 5. Là, pour le coup, on peut lui remettre 5 aussi. Donc, du coup, on est typiquement dans le cas du rôdeur. Donc, ça fait 11. D'accord? Donc, Argèche, il passe de 24. Et il passe de 8 d'attaque à 10. Ce qui n'est pas dégueu. Faut se l'avouer. Alors, dans ses capacités
Monsieur Argache, le fracasseur, et la charge fracassante, parce que le mot fracasseur, fracassante, l'OMDR, toi-même tu sais. Donc il attaque deux fois la cible au début du combat. C'est un spell qui ne peut pas recommencer après, hein. C'est juste une fois pendant le combat et c'est mort. Donc il fait quand même déjà 20 dans la figure de quelqu'un, c'est une belle tarte. D'accord? Sauf que c'est pas comme Squamatus. Squamatus, lui, c'est une cible. Tout le temps. Jusqu'à ce qu'elle crève. Ok, d'accord, il peut avoir qu'une seule cible par combat, mais ça reste que, il va faire infiniment plus de dégâts que Argèche, par exemple, en donjon. Sachant qu'il a, en plus de ça, bon voilà, Argèche, on le veut un peu plus se rendre dedans, un peu plus machin. Donc, on peut soit booster cette attaque charge fracassante, en mettant un 2. Comme ça, du coup, il peut faire deux fois. Sauf qu'il y a un problème qui va suivre. C'est que, quoi qu'il arrive, même jamais c'est un gros tank en face, par exemple, si on prend Dreland, qui a 30. Bah en gros, Dreland, il survit pas deux tours. Hein. Au deuxième tour, il se prend la dernière claque. À moins qu'on l'ait soigné. Et c'est là où, en gros, les soigneurs seront utiles. Mais par exemple, en 1v1, si jamais c'est Argèche contre Dreland, bah, Dreland se fait mais atomiser la tronche. Parce que au final, en deux tours, Argèche, là, si jamais on prend seulement sa première capacité, il fait 30 de dégâts. Parce que 20 de dégâts en premier, après, il en fait 10. Donc ça fait 30. Donc Dreland, il n'y en a que 30. Hein. Donc il y a ça aussi à penser. Après, le cas où c'est un 1v1 contre un héros contre un autre héros, honnêtement, je pensais pas le mettre. Mais dans le cas extrême où on sait jamais ce qui peut arriver, genre le gars il a pas assez de thunes pour s'acheter d'autres héros, ou il lui en reste qu'un seul, et l'autre connard c'est pareil. Et ils veulent finir ça une bonne fois pour toutes, donc du coup ils se font un 1v1 Octogone à Gare du Nord, imaginons. Sauf que le gars il avait pas capté qu'en fait il avait Dreland, là, le paladin qu'on a vu tout à l'heure, bah du coup, en gros ses rendez-vous éclatent mal fion, quoi. Donc c'est pas cool. Mais en même temps, bon, accepter ça aussi déjà de base, c'est pas. C'est pas GG. Donc on peut le garnir. Après, sa deuxième capacité c'est Insulte fournie. Il oblige une cible à l'attaquer. Ce qui est plutôt pas mal. Parce que du coup, tu squeezes quand même la phase où il attaque. Contre plusieurs ennemis. Hein. Et si jamais tu vois qu'il y a un ennemi. Voilà, donc du coup, il peut servir de proto-tank. Sauf que le proto-tank en question, il fait ultra mal. Il fait ultra mal. Il peut pas attirer les dégâts sur lui. Si, si, il oblige une cible à l'attaquer. Celle qui décide, là. Tu sais, quand il fait oh, toi là, toi que moi. Après, il a un seul point d'attaque en plus que Dreland. Honnêtement, moi je pense que ça se tient. Les deux premières capacités, moi je pense que ça se tient. Parce que Argèche, après, il peut être. En gros, il arrive, il peut mettre hors d'état de nuire un monstre en particulier. Tu vois, par exemple, si jamais il y a un monstre, en fait, il est ultra casse-couille, il faut pas le laisser en vie en fait au prochain tour. Parce que, je sais pas, il risque de tuer trois de tes persos qui sont trop mal en point, que t'as pas eu le temps de soigner ou quoi que ce soit. Mais en le tuant tout de suite, au moins, tu vois, ça donne du répit à tout le monde. Bah, du coup, si tu veux, il peut servir à ça. Il peut aussi servir à crowd control, c'est-à-dire à demander à un ennemi, toi par contre en particulier, tu m'attaques au prochain tour. T'es obligé de me cibler si jamais c'est une attaque. Donc, pas mal, en vrai. Ça équilibre un peu son truc brut. Et après. Par contre, c'est là où Ulor était pas fan. C'est sa capacité de guild. Alors, sa capacité de guild, c'est bagarre de taverne. Argèche inflige un point de dégâts parmi les héros dans votre guild. S'il n'y a pas de héros dans votre guild, alors Argèche s'inflige un point de dégâts tous les deux tours. Alors, en fait, il faut savoir un truc. C'est que des fois, dans l'équilibrage, quand tu as une idée d'un type de gameplay, des fois tu peux commencer en fait à créer, alors dans notre cas, en fait, d'autres héros qui pourraient s'imbriquer dans ce gameplay. Qui pourraient faire des combos avec. Après, il y en a forcément, à un moment donné, il y en a qui vont faire des combos que t'as pas vu passer, et que tu t'es dit, ah mais non, mais jamais ça passe. Et en fait, si, ça passe parce qu'ils suivent les règles à la lettre, quoi, les gars. Donc, pas si compliqué que ça.
Et là, dans ce cas-là, en fait, c'est par rapport à tout ce qui va être prêtre de douleur ou guerrier de douleur en question. D'ailleurs, le guerrier de douleur, on peut. Il y en a déjà de fait, on verra ça après. Mais en gros, si tu veux, Argesh, il est pas largué là-dedans. En gros, en fait, il va healer les gens. Genre, tu mets avec un prêtre de douleur qui est en guilde, où il fait par exemple, bah non, tous les soins deviennent des dégâts et tous les dégâts deviennent des soins en guilde. Bah, tu mets Argesh, en fait, Argesh, il commence à soigner un peu tout le monde en mettant des petites tapenettes derrière le dos pour les aider à, je sais pas moi, à faire leur rototo du soir. Il y a des trucs comme ça en fait. Et je l'ai pas mis trop haut parce que si par exemple tu n'as pas ça et que tu es obligé de le mettre en guilde, par un quelconque hasard, bah du coup bah il est en train de tuer tous tes héros à petit feu, donc c'est chiant, quelque part. Mais c'est qu'un point de dégâts. Donc si tu veux, ça passe. Dans tous les cas, en fait, c'est une curse, mais en fait c'est une curse que tu peux faire évoluer avec les autres. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance à le garder pour le moment, à voir en fait ce qui va suivre vraiment avec le reste des héros. Mais on peut le garder comme ça en fait, en vrai, Argèche. Donc on va le copier. Va être dans les héros pool. Voilà. Donc Argèche a évolué, il est encore plus résistant et il fait plus mal. Bah tiens, on parlait d'un guerrier de douleur. Copie. Hop. Tac, tac, tac. Calcries. Calcries. D'ailleurs, tous les noms. Argèche MVP. Argèche, sac à merde. Alors, Calcries. Donc, ses spells. Qu'est-ce donc que ces spells à Calcries? Donc déjà, c'est un guerrier. Donc du coup, on va repartir sur la même base qu'Arkesh, en vrai. Donc c'est-à-dire, déjà, il a 1, 10 pour la base. Après, on a la classe qui est 3 ou 10, 3 et 10, comme le paladin. Ou on peut faire comme pour les barbares, c'est-à-dire 5 et 7, comme pour les rôdeurs, par exemple. Or, le truc en fait avec les guerriers de douleur, ils vont être. Enfin, de toute façon, tout ce qui est guerrier de douleur, mère ou père de douleur, enfin tout ça, eux, ils sont basés pour faire soit du dégât, soit en s'en prendre plein la gueule. Eux, c'est vraiment ça leur gameplay, c'est-à-dire c'est des sadomasos. Donc, soit c'est des gros sados, soit c'est des gros masos. Et ça va être ça leur gameplay. Ça va vraiment, c'est vraiment le cœur du truc. Donc là, on est parti sur un petit maso en vrai, parce que comme on peut voir par exemple, il a peau épineuse. Son passif, c'est renvoyer la moitié des dégâts à sa source que Gakria subit. Voilà, bah lui, c'est source de plaisir carrément, Gat-Gat. Après, on a le point souillé où lui, il va infliger un saignement. Et le petit jeu de mots pour la capacité de guilde. Pénitence de seigneur. Tous les dégâts qu'il subit sont considérés comme des soins et soignent Calcries. Donc lui, tu le mets avec Argèche, lui c'est. Bah disons que bon, t'as pas envie de les voir tous les deux à la taverne vraiment, parce que ça risque d'être chelou quoi. Entre l'autre qui met des baffes et l'autre qui est limite, qui n'en peut plus. Bref, donc, comme vous pouvez le comprendre, c'est un tank qui aime avoir mal. C'est vrai que quand même expliquer le principe des guerriers ou des prêtres de douleur là, franchement, ça reste un peu chelou. On va pas se mentir. Donc du coup, alors, est-ce qu'il va être gaulé comme notre cher et tendre Argèche? Non, parce que du coup, il va pas avoir les mêmes armes. Donc d'ailleurs, tiens, petit problème. Hop là. Lui, comme on peut voir là sur l'image, en gros, il est équipé de ceste. Déjà, c'est une intermédiaire, hein, l'armure, parce que sinon, bah, si jamais il sent pas les coups, bah, il a pas mal, donc du coup, ça sert un peu à rien, parce que son principe à lui, c'est d'avoir mal. Donc du coup, il va porter une intermédiaire. Donc ça va être gaulé comme un rôdeur pour le coup, 7. Il a des cestes, ce qui est en fait vraiment une arme à 3, en vrai. Enfin, c'est plus une arme à 2 en vrai dans l'idée, mais vu qu'il en a 2, du coup, ça fait 4, ça s'équilibre. Donc ça fait 4 et 7.
Donc là, il a 5, 17. Non, bah non, je dis n'importe quoi. Donc il a 1, 5, et en fait, là, au lieu de 4, on va lui mettre 5. Oh, bah, au lieu de 5, on lui met 4. Putain, ça commence à m'embrouiller, c'est n'importe quoi. Et là, on va lui mettre 7. Donc du coup, il va avoir 10 et 24 encore une fois. Dans l'idée. Alors, problème. Nous, on veut qu'il soit un peu plus résistant quand même. D'accord? Dans le sens que il est, en fait, il va infliger des dégâts par petit feu, en fait. Et ce qui serait OP en fait avec Alcryes, ce serait que tu chopes l'item en fait qui lui permet d'avoir la possibilité comment dire, d'obliger les ennemis à l'attaquer. Cet item a été pensé, cet item va être incorporé, pas de problème. En gros, ça te change un machin de douleur là en MVP qui adore saigner. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui enlever un peu d'attaque. Hop, on va lui mettre à 9. Et là, on va lui mettre à 25. D'accord? En gros, on peut voir aussi que du coup, il a 5 points en moins que Dreland. Hein, le paladin de tout à l'heure qu'on a vu, où il avait pareil, la même attaque, mais pas les mêmes PV. Ça s'explique. Déjà parce qu'il n'a pas la même armure. Là, on parle quand même d'une armure à pointe. Donc en vrai, on peut très bien lui laisser des attaques à 10. Et ses PV à 25, parce que bah, du coup, une armure à pic, en vrai. Voilà. Donc, du coup, si on pense la chose, sachant que c'est très passif en fait son gameplay, ça va vraiment être plus genre je veux subir des dégâts. On peut le laisser comme ça. En vrai, il pose pas de problème. En plus, Argèche, il va pas arrêter de lui mettre des pains dans la gueule, donc ça va lui faire plaisir. Et qu'on dise pas que je suis un très mauvais Dieu pour ces personnages, parce que en vrai, je crois que je suis en train de leur faire leur meilleure vie, quoi. Alors, ah, le cas de peut-être le héros le plus faible peut-être arrivé. Erin Soulouche, une petite voleuse, une halfline en plus. Tu vois, tu te marres déjà, tu vois. Non mais. C'est pour ça que moi, dans le document des races, j'avais mis que les Alphelins, ils étaient souvent considérés comme une blague cosmique, comme race. Sont rien de particulier. Ils sont plus petits, plus faibles, plus. Et puis ils sont pas spécialement plus intelligents que les autres, donc bon. C'est bon, super quoi. Alors, elle a été designée pour être une marchande. On va pas se cacher, hein. On n'est pas sur le typical Monster Hero de ouf. D'accord? Donc, ça c'est fait, ça c'est dit, ça a été méchant. Donc, oui, ah oui, les hobbits, oui, en gros, ouais, oui, c'est des hobbits. En plus de ça, non, mais surtout que, non, parce que les hobbits dans les Seigneurs des Anneaux, ils vivent quoi? Ils vivent un peu vieux quand même en vrai. Alors que là, les Elflines, dans l'univers de Pandémie, bah. Ils sont déjà super heureux quand ils arrivent à 70, hein. Ils sont contents, hein. Ouais, ils sont très vieux, hein, pour ce moment-là. Enfin bref. Donc les voleurs et les assassins, on avait commencé à dire que la classe de base était attaque 8, les PV 7. D'accord? Donc du coup on se retrouve à 9 déjà. Et là on se retrouve à 17. Alors c'est là où elle est très drôle, elle. Parce qu'elle a pas d'armes, Irine. Elle a juste des orbes qu'elle va lancer. Mais sinon, elle y va vraiment au culot. Hein. C'est l'invocatrice Non, 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 c'est la marchande. Ah. Et du coup, elle insulte l'ennemi, en fait. Ouais. Non, mais c'est ça, hein, mec. Hein, donc, elle a 9. En équipement, on est gentil. On va quand même lui mettre. Quand même. Une armure de cuir. Donc du coup on est à 17 et on va remettre 7. Donc du coup elle va se retrouver aussi à 24. Donc 9-24. Ok. Alors je vérifie juste un truc histoire que je dise pas de la merde. Ouais, non, ça va. Si, si. Donc
pour l'instant, c'est peut-être le héros le plus faible qu'on ait créé. Hein. Parce que, en plus de ça, même son truc, c'est tellement pensé pour être un truc de guilde. Hein. Donc, le premier spell, c'est Orbe de gaz. Elle peut l'utiliser 3 fois en combat. En fait, elle a que des trucs qui s'esquintent. Hein, parce que tous ses spells sont utilisables que un nombre limité de fois en combat. Donc, c'est pour te dire. Donc, Orbe de gaz, elle en a 3. C'est la prochaine attaque qui vise Erin, rate, quoi qu'il arrive. En vrai, tu te démerdes bien, ça peut être un putain de tank. Hein. Pendant 3 tours, elle est open, tu vois. Une potion de personnel. Erin se soigne de 5 points de vie, utilisable qu'une fois en combat. Et sinon, elle a la capacité de grande marchande de l'Est en guilde. C'est quand vous vendez, vous recevez 6 pièces d'or supplémentaires venant de la banque. Voilà. Sachant que les pièces d'or sont amenées à changer parce que il faut après qu'on teste l'économie aussi dans le jeu. Est-ce que bah déjà il faut que ça soit un peu qu'il y ait les bons prix, qu'il y ait les bons trucs, est-ce que c'est pas trop, est-ce que c'est pas assez, et tout ça. Donc pour l'instant, Erin, en fait, tout ce qu'elle a subi, pour l'instant, c'est un petit boost de ses PV. Là, pour l'instant, on s'en sort bien parce qu'on tombe sur les héros, bon, qui avaient juste besoin qu'on change leur stat. Et quand on va commencer à parler des mages et tout le bordel, là, on va commencer à se marrer. En vrai. Alors, pendant qu'on est encore chez les voleurs, on va... les roublards, quoi. Là, on va s'attaquer à un vrai voleur. Parce qu'encore, Erin, elle est mignonne. D'accord. Elle est encore très très mignonne, Erin. Parce qu'en plus de ça, moi, j'aime bien sa gueule. Marchande, quoi. Ouais, c'est une marchande, quoi. C'est juste qu'elle arnaque, c'est tout. Elle vole pas, elle. Vraiment. Elle sait se démerder, mais... Alors, on repart sur... elle est bonne. Non, tu te calmes, Gat-Gat. Tu te calmes. Je vous en supplie, Gat-Gat, calmez-vous. Donc là, on va repartir du coup sur un Alphelin. Allez. On continue la bonne franquette. Sacha, main agile. Voilà. Sacha, main dans le slibard. Incroyable, non. Du coup, donc c'est un voleur. Donc, on repart sur le même truc. 9. 17. Là, il a toujours une armure intermédiaire. Donc, du coup, on va lui mettre provisoirement pour le moment 24. En arme, il a 2 dagues. Donc, du coup, 4. Donc, du coup, c'est 9 plus 4, 13. Donc, pour l'instant, il a 13, 24. Ça chatouille, lol. Quand il fait la cuisine. Ok, d'accord. Merci, Gat-Gat. Merci, merci beaucoup. Merci. Donc, son attaque de base, c'est il attaque suintante. Donc la cible subit un empoisonnement. D'accord? Donc elle subit 2 points de dégâts à chaque tour pendant 3 tours, non cumulables. C'est-à-dire que tu lui mets pas 2 empoisonnements sur la figure. Ok. D2, perte silencieuse, donc donjon 2, hein. Il peut l'utiliser qu'une seule fois. Vous volez l'équipement de la cible. Alors ça, c'est vraiment utilisable en PvP. Hein. C'est vraiment utilisable en PvP. Seulement. C'est en combat, ça? Oui. Il peut le faire qu'une seule fois en combat. Ok. Ça l'équipe directement ou pas? Non, ça va directement dans ta main. Et après, tu peux l'équiper. Mais en tout cas, ça handicape pas mal l'ennemi. Hein. Imagine, si t'avais, Ouais. par exemple, Kal'Kriess, là. Le guerrier de douleur là, celui qui aime bien avoir mal. Tu lui mettais le bouclier par exemple qui faisait que bah tant que enfin en gros tant qu'il est encore en vie, imaginons hein, qu'il y ait l'item comme ça. L'item ultime des tanks wannabe, qui en gros dès qu'il est en. Ah putain de bordel. Tant qu'il est en vie, les ennemis sont obligés de l'attaquer, lui, tu vois. Bah t'as Sacha en face, il arrive, il dit bah je lui enlève ça. Voilà. Tu vois, déjà, d'un coup, tu pleures. D'un coup, tu pleures. Et sinon, sa capacité de guilde, c'est petit gain. Vous volez une pièce d'or pour chaque achat d'une autre guilde. Voilà. Donc, c'est un voleur. On va quand même lui baisser ses PV. Parce que il les a haché chiant comme ça. Mettre à 22.
Et il fait quand même mal. Quand même. À 13, ça passe. Quand même. Pour l'instant, il n'est pas au plus bas des classements au niveau de dégâts. Mais on va quand même lui baisser aussi. Parce que, pour la simple et bonne raison, c'est que dans un premier temps, en vrai, on pourrait très bien faire ça. On va laisser avec les stats qu'on avait décidé là pour la base et tout le bordel. Et après, de toute façon, il faudra qu'on fasse un overlook de tout le monde. À cause de la moustache, évidemment. Faute de goût, on lui enlève. Non mais en gros, on peut très bien partir sur le fait que, bah en vrai, on va vraiment faire ça hein, en plus. Parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est qu'on peut déjà décider d'une base comme ça de l'échelle de valeur qu'on a fait brute. Et après, quand on va devoir rééquilibrer derrière en voyant en fait tous les héros, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont pas bons, machin et tout ça, on va pouvoir décider si on leur laisse ce genre de stats, si jamais il faut pas les baisser pour qu'ils soient un peu plus équilibrés ou quoi. Or, ça, c'est si on avait un peu oublié le fait que là, par exemple, il y a déjà un jugement sur l'échelle là de ces spells. On voit qu'il y a quand même, il dépasse les 6 points normalement alloués. D'accord? Parce que voilà, ça fait 6 et 6. Donc il y a déjà 2 à 3. Donc, soit on lui pénalise ça. Mais du coup, par contre, c'est ses stats qui sont impactés. Donc là, par exemple, on a un surplus de 2. Donc on peut faire un truc, c'est que le surplus, il le paye sur ses deux stats. Donc du coup, il passe de 11-22. Là, il a la moitié de ses PV en termes d'attaque. Ça passe dans ce cas-là. C'est pas souhaitable, mais ça passe. Parce qu'il paye son surplus. Qui est de 2, hein, sur l'échelle des valeurs. Donc, pour qu'on s'en souvienne, ce qu'on peut faire, on va lui mettre une petite étoile. Pour dire qu'en gros, il a payé. Ok? Tout ça aussi, il va falloir qu'on le mette aussi en perspective hein, par rapport aux autres classes et tout. Pour que ce soit bien. On va dire, comme ça on sait directement si on n'a pas abusé sur un perso, si on n'a pas machin. C'est it is préférable. D'accord? Alors. Là, on va passer aux assassins. En perspective, mais vous faites de la 2D, non? Ok. Merci, Gadgat! Je t'aime beaucoup, Gadgat. Je te hais. Alors, passons à un vrai sac à merde. Moi aussi, je vous aime. On va passer à un vrai sac à merde qui est un assassin, Salazar. Alors, pas de visuel, parce qu'en vrai, je sais pas pourquoi d'ailleurs je l'écris sans visuel, lui. Invisible. Ouais, il est tellement invisible qu'il est casse-couille. Alors, déjà on voit qu'il est à 6 points normalement non, sur l'échelle de valeur. Au niveau de ses spells. D'accord? Donc normalement il a pas de malus. Mais il est designé pour être casse-couille. Empoisonnement. Donc déjà il empoisonne une cible. Très bien. Pareil que les autres, hein, c'est même machin. Son deuxième spell, c'est contrat payé d'avance. Donc une seule fois par cible. Attaquer deux fois la cible. Donc en gros on est sur le même cas qu'Argèche, en vrai. Argèche d'ailleurs qu'on a. Du coup, qu'on a du coup laissé l'attaque comme ça. Donc, on va voir par la suite comment ça se passe. Son truc de guilde, par contre, c'est concurrence compromise. Vous infligez 3 points de dégâts à un héros dans la guilde adverse. Donc, c'est un casse-couille depuis la guilde. Dans l'idée. En fait, c'est un Argèche, mais qui est vraiment orienté mono-cible tuer LOL MDR, quoi. Or, ce qu'on peut faire, parce que Squamatus, ouais, je sais, on revient souvent en avant et en arrière, mais en même temps, c'est utile aussi pour mettre en perspective quand même. Et je veux pas la blague, merci Gadgat, sur les dégâts, tu vois. Par exemple, Squamatus, lui, c'est. On a enlevé, tu vois, le truc qu'on avait mis, qu'il y a une cible et il lui infligera toujours 2 points de dégâts, tu vois. Donc du coup, vu qu'on est resté sur cette optique-là et qu'il a à peu près la même chose qu'Argèche, en vrai, on pourrait l'appeler aussi charge fracassante, mais ça colle pas au perso, mais...
Ce sera redondance. Oui, la redondance, on n'aime pas ça. Donc on peut garder. En vrai, tout est gardable. Après 3 points de dégâts, il tease un peu le chiant. Parce que, en vrai, 3 points de dégâts, c'est suffisant peut-être pour tuer un héros que tu es en train de rapatrier en urgence parce que tu veux pas le voir mourir. Comme les fenouilles. Oui, bien sûr, 4-4. Merci, 4-4. Mais en tout cas, voilà, 3 points, en vrai, c'est pas mal. Donc on va garder les 3 points pour l'instant, on verra. En même temps, son but, c'est de buter du héros. Donc, c'est on casse aux couilles, hein. Oh, et c'est on casse aux couilles. Donc, on va partir du même principe que Sacha. Donc, normalement, dans ces PV, on retombe à un petit 24. D'accord. Et à ces dégâts, faut savoir un truc, c'est que soit on part dans le délire de il a deux dagues, le MDR, ou on peut faire le vrai truc. Parce qu'en vrai, les dagues en combat réel, les gars, si vous avez deux dagues dans les mains en face d'un gars qui a une épée, bah tu fuis en fait. Même si t'as deux dagues, hein, c'est bien, hein, t'as l'air mignon, mais tu vas te faire défoncer en vrai. Et puis faut savoir les utiliser aussi. Oui, aussi, mais même jamais tu sais les utiliser en fait. C'est pas ça que tu prends face à un gars par exemple qui a juste une allonge supérieure à toi. Hein. Ouais, paf dans l'œil. Donc du coup, on va passer sur un truc super con, mais on va lui donner en fait une épée et une dague. Donc, une main gauche pour la dague ou une main droite, ça dépend si il est droitier ou gaucher, on s'en fout. En vrai, moi je dirais plus droitier. Parce que j'ai dit main gauche, donc c'est pour faire un petit peu sens. Donc, on part toujours sur 9. 3 et 2, ça fait 5. Ouais, je crois qu'on est. On est quand même à 14 hein, en attaque. Ce qui est supérieur à ses PV, hein. C'est du gauchisme ça. Non mais t'inquiète pas, on va faire d'autres go... Pardon? C'est légal du coup d'avoir des dégâts supérieurs à CPE? On a dit que ça dépendait pour certains persos, vu que ce perso là en fait on le pense dans le dégât. Et tu vois que c'est pas juste bah malheureusement on a mal calculé le truc et donc du coup c'est tombé comme ça. Là ça passe parce qu'en fait toute l'idée du perso en fait c'est les dégâts. Sauf que ce qui peut se passer, c'est qu'on peut accentuer par contre cet état d'esprit là. C'est-à-dire baisser encore plus ses PV. Tu vois? Pour accentuer le fait qu'il est vraiment là pour les dégâts, mais qu'il n'est pas là pour tanker. Parce que 24, par exemple, dans ce qu'on a vu, c'est quand même assez proche d'un gars comme Dreland qui est censé être en armure de plate, donc 30. Tu vois, en PV. Donc c'est chiant, en vrai. C'est caca. Ça c'est légal. Mais c'est comme j'avais dit, c'est du cas par cas en fait. Enfin, c'est du cas par cas, non. Parce que en gros, c'est. Il y a des exceptions. Tu vois, en fait, en gros, il faut penser comme si en gros on était en train de réécrire la langue française. Dans le sens qu'il faut qu'elle soit compliquée. Il y a un sens, mais la majorité d'entre nous ne la comprend pas des fois. Donc on passe à 22. Parce qu'il est là aussi pour se faire défoncer. Ça peut être aussi une des... pas trop, parce que du coup, comme ça, bah, il se fait pas défoncer par un gars qui lui fait double dégâts et il est mort, tu vois. Dans la seconde. Genre, il peut tenter de survivre à un PV. Ou deux. Ou trois, ça dépend à combien il tape le gars. Mais en tout cas, on essaie d'éviter qu'il se fasse décalquer la gueule tout de suite. On rappelle qu'en gros ces PV ont subi un nerf, donc on met une petite étoile. D'accord. Paf. Donc ça Lazare. Avant, il avait attaque 10, PV 10. Hein. Maintenant, il a attaque 14 et 22 en PV. Donc, gros boost. Donc Squam Mathus, on l'a fait. Ah. On va s'attaquer à une que j'aime beaucoup. Je la trouve gentille. Moi j'aime bien les gentilles. Et on va faire Marguerite. Marguerite. Mais il y a un sens ou non hein. Regarde, elle est pas cool. Moi j'aime beaucoup cette meuf. Très sympa.
Bon, pour ceux que ça intéresse, en gros, le sens du mot, c'est par rapport à la Sainte Marguerite, sainte patronne des orphelins. Donc voilà, c'est pour ça. Donc c'est juste pour ça. Donc du coup, Marguerite la Sainte, qui est une prêtresse de lumière. Donc déjà, elle, ça va pas être la même tisane niveau stats, hein. C'est pas là-dessus qu'elle va briller. Par contre, on la prédestine pour être une de ces soigneuses en combat. Elle est pas là pour faire caca, quoi. La rigueur sur la tête des ennemis, mais ça reste quand même une fille qui n'est pas venue ici pour broder, quoi. Donc, déjà, en dégâts. Là-bas, c'est 1 et 10, comme on le rappelle à chaque fois. Je sais que c'est très abstrait comme je dis ça, mais il faut comprendre ça comme ça. Elle est soigneuse, genre, elle fait très attention à ce qu'elle fait. Oui, aussi, Gat-Gat. Oui, c'est son trait de personnalité. Elle est très très polie. Elle est très. Elle fait très attention à ce qu'elle dit, à ce qu'elle fait. Elle a une hygiène impeccable, malgré qu'elle soit un donjon. C'est pas trop comment elle se démerde, mais en plus de ça, elle est d'une sympathie. C'est ça, mais Mère Teresa et l'abbé Pierre à côté. Rien à voir. Ok, Gat-Gat, tchou-tchous. Bonne fin. Oh, get gat. Tchou-tchous. Donc du coup, on avait dit donc 10 et 5. Donc là, du coup, on est à hack. Donc 4. Là, on est à 15. Elle est en légère, donc du coup, on redescend encore à 5. Donc ça fait 20. En dégâts. Attends, déjà, je vais noter ça, parce que sinon, après, on risque de perdre. 20. En attaque, elle se réduit à 5 aussi. Parce qu'elle n'est pas là pour ça. Clairement. Alors, maintenant, du coup, c'est guérison. Donc, on voit qu'elle n'a pas excédé les 6 points en termes d'intensité de spell. Donc, du coup, vraiment, on peut soit majorer ses stats, soit on peut. En vrai, elle a un bâton, donc en vrai, si je voulais être sympa, je lui mettrais, allez, 7. C'est parce que je suis très très gentil dans ses dégâts. Hein. Je viens juste d'y repenser, pardon. Donc, guérison des plaies, soigne 7 points de vie à une cible, donc c'est mono-cible. Et après, on a la générosité céleste qui soigne le groupe entier de 2 points de vie chacun. Alors, comme on a pu le voir, en fait, généralement, il faut savoir un truc, c'est que les soins de masse. C'est vraiment pour mettre un petit mercurochrome dans une plaie ouverte, hein, généralement. Ou c'est parce que tu as envie de te flex et de soigner tout ton groupe qui a perdu juste 2 PV instant. Voilà, c'est plus du. J'essaie de maintenir un barrage qui est en train de se fissurer, en vrai. Hein. Les soins de zone comme ça dans ce genre de jeu. Donc, il faut pas non plus qu'elle soit trop OP. Après, 2 points, comme on a pu voir sur par exemple 20, ça veut dire qu'elle doit healer 10 fois, elle doit par exemple s'auto-healer 10 fois comme ça pour arriver à son maximum de PV. C'est chiant. On est d'accord. Donc, on va changer. On va mettre 4 pour l'instant. Ok? Sa guérison de soins là, on va mettre un truc encore plus relou. On va mettre directement à 10 points de vie. Donc, comme ça, d'un coup. Et la sainte dévouée pour sa capacité de guilde, c'est tous les soins de guilde sont améliorés de 1 point. Je dis oui. Donc en vrai, moi comme ça, moi elle me va. Donc allons-y à l'ozo. Copier. Non, attends. Hop, hop, hop. Top. Ouais, voilà, elle a subi un gros boost. Hop, 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 copie. C'est vrai que j'ai pas fait celui-là, mais en gros, on va faire un prêtre de douleur. Mais dans un premier temps, regardons ce que tu fais, Ulor. Alors. Ça se voit pas des masses. Je bah. Depuis un petit moment. Ouais, mais attends. Start game, exit. Ouais, donc du coup, tu fais le menu d'entrée, quoi. Ouais, vite fait pour voir ce Ouais. qui marche et ce qui marche pas. Comme ça, après, je pourrais faire les datas correspondantes si on reste en code sèche. Ouais.
Bah déjà du coup ouais ok. Bah, c'est plutôt pas mal en vrai. Donc du coup voilà à quoi ça. Plutôt pas mal. C'est cool. Après les 22h04. Tac tac. Toi tu voulais finir à quelle heure Yolore déjà? Bah je sais pas, moi je pensais faire un stream de 2 heures à peu près, puis voilà. Bah ça tombe bien parce que dans 7 minutes exactement ça fera 2 heures. Donc du coup j'ai temps de faire un dernier héros. Donc héros, c'est grand mot. Parce que du coup on va faire un guerrier de douleur. Barthélemy Crèvecœur. Encore une fois, le nom est associé à un événement historique, la Sainte-Barthélemy. Je vous laisse aller voir. Du coup, alors, donc on va vite fait regarder un peu ses spells là, avant. Donc, partage de la souffrance, il peut le faire qu'une seule fois dans un combat. C'est additionner tous les points de vie de vos héros dans le donjon. Le résultat devient les points de vie communs à tout le groupe. Donc, c'est-à-dire que si, imaginons, au total, ça fait, allez, on va dire une connerie, 100 points de vie, combinés, hein. Si jamais sur ces 100 points de vie, il reste un point de vie, et ben en fait, t'as les 4 héros qui sont encore en vie, hein, parce que c'est combiné. En fait, tous leurs PV, en fait, deviennent une seule part de PV, quoi. Masse. Ouais, une masse. Donc, ce qui peut être sympa, quand t'es en train de te faire ramoner la face par un boss ou quoi que ce soit. Parce que du coup, en fait, c'est considéré comme mono-cible, si jamais c'est un spell de groupe, tu vois. Donc du coup, c'est pas mal. C'est même plutôt pété. Alors le deuxième spell, c'est transférer la peine. Retirer autant de points de vie de la cible alliée pour soigner une autre. En vrai, ça peut être aussi toi, hein. J'ai mis une cible alliée, mais en vrai, ça peut être aussi Barthélemy lui-même. En gros, il se soigne en ponctuant. En fait, il joue un petit peu au boursier, quoi. Avec les points de vie de ses potes. Donc, c'est pour ça. Donc, voilà. Ça. Voilà. Et sinon, sa capacité de guilde, corruption maladive. Au lieu de soigner, les capacités de guilde inflige des dégâts à la hauteur des soins. Et toutes les capacités de dégâts soignent. Par contre, je pense que si jamais t'as un de ces héros-là dans ta guilde. Ah, il vaut mieux partir sur une stratégie de s'infliger des dégâts à la guilde parce que du coup ça soigne tout le monde donc c'est ça qui est cool. Donc en vrai voilà ça peut être un changement de stratégie hein, d'avoir ce genre de héros dans sa team. Hein. À moins que tu l'envoies seulement que au donjon. Et que au pire si ils reviennent jamais à la guilde parce que sinon avec corruption maladive c'est chiant. À voir. Donc ce sera au joueur de décider. Donc du coup ses stats. Donc, comme pour Marguerite, c'est une espèce de prêtre. Enfin, Marguerite est une prêtresse de lumière, quand même, faut pas déconner. Lui, c'est le gars qui fait un peu nimp avec ses points de vie, donc c'est pareil, c'est monsieur. Alors, lui, pour le coup, c'est plus un sad. Ouais, c'est plutôt un sado qu'un maso par rapport au guerrier de douleur qu'on a vu. Le guerrier de douleur, c'est un maso, lui, c'est un sadique. En termes de. Voilà, si on restait encore dans ce thème-là. Du coup. Bah, de toute façon, il va être gaulé comme Marguerite. Hein. Marguerite, elle a les mêmes stats. Donc, du coup, il va rester à 20 PV. En même temps, il joue avec ses PV. Donc, faut quand même pas lui laisser non plus 10 PV, sinon il va mourir. Alors, lui, il a une dagounette. Hein. Mais vraiment, il a juste une petite dagounette. Donc, du coup, sa base à lui, ça va être. Tac 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 tac, ils sont là. Voilà, ils sont là. Donc 3, 4, plus 2, ça fait 6. Voilà, il n'est pas là pour faire des dégâts. Hein. C'est vraiment. Ah, mais franchement, Barthélemy Crèvecœur, par exemple, c'est typiquement le gars où tu peux faire l'analogie de. Il faut choisir la peste ou le choléra, hein, des fois. Mais. Utile, parce que là, c'est vrai que dans ce cas-là, c'est plus quand t'as vraiment pas le choix entre une idée de merde et une autre idée de merde en vrai. Après, oh putain, bah en vrai, attends, quelle heure il est? Ok, j'ai 3 minutes. En vrai, je pourrais refaire la druidesse là qu'on a fait en stream.
Pour finir. Après, j'ai presque envie de faire la prochaine fois, là, quand il y aura potentiellement la Monolith, ces ninjas, Jude qui ont participé à sa création. Ouais, carrément, ce serait mieux. Ouais, ce serait plus sympa, je pense. Ce serait infiniment plus sympa et haut. Donc, on va mettre une petite étoile à droite. Voilà, hop. Donc, ça, c'est. Bah, du coup, pour ma partie, pour le moment, c'est bon. Hop, voilà, save. Et du coup, on swap pour toi. Donc du coup mon cher UU, t'en es où toi? Toujours au même endroit. Dans cours. Sachant que du coup on est à 2 heures de stream, comme tu voulais. Sachant que demain du coup, bah tiens on va en profiter, demain on se donne rendez-vous du coup à 18h comme tu voulais à la base ou pas Non, moi je préfère rien parce que le soir, Ok. comme ça, je suis. Alors moi je peux être là pour 18h pile, hein, c'est-à-dire que genre je peux même lancer bah, en gros à 18h on peut commencer directement à stream quoi. Et continuer. Donc voilà. Très bien, très bien. Bah, c'est stylé, on a un menu. Non, vraiment, en plus, je dis ça, mais sans être malaisant ou quoi, tu vois. Oh, après, c'est une ébauche. Oui, non, mais attention. Moi, je trouve ça quand même stylé parce que, si tu veux, c'est. Bah, disons que. Là, par exemple, du point de vue d'un gars, par exemple, qui n'a jamais pu finir aucun des idées de jeux vidéo que j'avais lancé, soit avec d'autres gens ou quoi. Rien que le fait d'avoir un menu, t'as envie d'en péter d'aise. Parce que tu te dis, il y a un truc, tu vois, il y a au moins un menu. Mais il y a de l'affichage quoi. Voilà, il y a de l'affichage, il y a de. L'affichage, c'est riche. Je veux dire, il y a un truc, tu vois. Tu sais, c'est comme si, genre, tu voyais le premier pas que tu faisais, je sais pas, moi, pendant un marathon, t'es content parce que t'es pas tombé. En même temps, tu traverses la gueule sur ton premier pas de marathon. Bah ouais, mauvaise chance, hein, le stress, tu te fous de la cheville, tu vois, mec, t'as plein de. Pourquoi tu casses tout comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu casses tout comme ça? Non, non, sérieusement, genre. En gros, si tu veux, ouais, c'est que le premier pas. T'en as encore 360 000 devant toi, mais quand même. Tu vois, t'es content d'avoir réussi à pas te foirer sur le premier pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je suis très bienveillant. Et que même si jamais, genre, ça fait très. Tu sais, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est AI Dungeon. Je sais pas si tu l'as testé d'ailleurs du coup. Ou en De gros, quoi? genre c'est un espèce de. En fait, c'est des trucs de jeu de rôle. Soit tu peux y aller en freestyle sans règles, soit tu peux y aller en mode avec des règles d'un jeu si jamais il le connaît dans sa base de données. Et en fait, c'est une intelligence artificielle qui te fait le maître du jeu en fait. Alors, il y a des fois où c'est. Un peu éclaté au sol, c'est quand même. Ouais, mais des fois c'est hyper sympa. Genre, ça te fait des situations de ouf. Et des fois, t'es là en mode genre. Ouais, non, là, elle tousse de la compote, tu vois. Là, elle a bien toussé de la compote sur celle-là ou quoi. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, tu peux relancer en disant non, là, ça n'a aucun sens. Du coup, il relance ce qu'il a marqué. Ça peut être sympa. Pas de fois où j'ai vu le truc était éclaté au sol, Oui, c'est il arrivait éclaté pas à au se sol. remettre quoi. Des fois c'est éclaté au sol et des fois c'est stylé. En vrai ça dépend avec qui tu joues. Par exemple moi j'ai un pote qui avait dépensé juste pour tester le premium. Et en fait l'IA en premium, bah déjà elle est un peu plus on va dire sympa. Mais on voit, ça tousse de la compote, vraiment des fois. Mais ça c'est. Voilà. Petit coup me sert. C'est déjà quand même bien marrant. Et du coup ça fait des menus un peu comme ça des fois. Bon après par contre c'est disponible qu'en anglais. Bon. Enfin bref. Donc du coup nous sommes à 2h et 2 minutes de live. Terrible, 2 minutes de trop. Pas payé pour ces conneries. Est-ce que tu as un mot de la fin? Pas du tout. Ok.
Bah du coup, bah quant à nous, on se revoit du coup demain à 18h. Et on va continuer en haut. Voilà. Donc du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Et tchuss. Tchuss.